après, ça fait partie du truc, tu vois, de pas préparer. C'est Je lancé? pense que Ah c'est... ouais, merde! Bonjour! Bonjour tout le monde! Oh la vache. Comment vous allez en ce mardi matin réveillé et préparé pour ce lancement des 3C? Mais... C'est pas préparé, c'est le seul Ouais, bon c'est le terme. bon terme. Comment ça va, Zizi? Bah ça va nickel. Oh, c'est ce setup, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être Dieu dans les nuages, tu vois, qui t'observe Ah depuis les oui, c'est hauteurs. vrai. Ça fait très 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 étrange avec ma tête en énorme. Mais ça va, je vais m'habituer. Bah ça va, écoute, j'avais mis 4 Quatre réveils ce réveils, matin. bon bah ça va. Tu t'es réveillé à quelle heure finalement? Ouais. C'est pas. 7h40, mais c'était Ah plus ça que large. va, oui. Ok. Et Bah t'es bien ouais. réveillé, ça va? Je... Hyper bien Bon bah. réveillé, et toi? Ça va. Ça va, ça va, ouais, c'est dire. T'as l'habitude De maintenant, toi. quoi? T'as Ouais, l'habitude ça maintenant, va. toi. On tient un peu le rythme. C'est dur, ça pique un peu, mais ça le fait. Bah, Vous, le chat, comment ça va? mais je... Vous êtes bien réveillés? Non, mais c'est ça, y a plein de monde, en fait. Tout le monde est au taquet Ah, le mais je suis matin, sûre là. que tout le monde se réveille exprès pour les 3C, hein. C'est sûr. Ils mettent 4 réveils, comme moi. Juste pour être là. Merci Urg pour ton Twitch Prime, merci beaucoup. Bon alors, comment ça va en ce mardi 24 décembre? Du coup, ça va bien. Est-ce que tu es prêt pour la sortie 24 24 décembre. novembre? Ah ouais, j'ai envie d'être à Noël. Enfin, ok. Bah En ouais, je plus, vois on en ça. parlait tout à l'heure avec Jules, hein, on remercie toujours Jules de se réveiller aussi avec nous. Et on parlait de la prochaine émission qui sera un spécial Noël. Voilà. Du coup, j'ai un peu Noël, tu vois, dans la tête, quoi. Laquelle Celle de la émission? semaine prochaine, le 1er décembre. Ouais, lancement de Noël, Ah, tout ça. les Ouais, les 3C. 3C, oui, bien sûr. Ah Et ouais. oui. Spécial Noël. Trop Et bien. ouais. Mais comment vous allez faire pour les décos? Parce que j'ai vu que dans les magasins, là, ils ceinturent complètement les rayons déco pour pas que les gens puissent y aller. Bah, on va faire tout à la main. On va faire des guirlandes en Waouh! papier, tu vois, en papier, comme à l'école, tout ça, quoi. On va faire Trop avec les bien. moyens du Hop, bord. il y aura un atelier. Il y aura une après-midi consacrée à ça à la rédac. Tout le C'est monde sera en ça, train de faire des décos de Noël. exactement, ouais, exactement. Bah, attends, ça va être bien. On va C'est beau. envelopper des cadeaux, tout Ah ça, ouais. remplir les petites chaussettes. Bon, en attendant la semaine prochaine, est-ce que toi, t'es du genre à jouer à World of Warcraft? World of Warcraft. Eh bien, écoute, Pauline, pas Ah! du Bah tout. écoute, ça Et tombe bien toi? parce qu'aujourd'hui sort la nouvelle extension de WoW. Je suis très contente d'en parler Mais avec toi. oui, mais très juste. Bah ouais, non, moi, WoW, je suis un peu passé à côté, en fait. Il faut dire, c'était la grande époque WoW, c'était le milieu des années 2000. Moi, j'étais au collège, tu vois. Ouais. Donc, c'était pas encore. J'avais pas encore un PC et l'argent pour acheter l'abonnement et tout ça. Donc, non, j'ai jamais vraiment trop joué. Puis maintenant, enfin, je veux dire, c'est tellement daté, même visuellement, tu vois. C'est compliqué de s'y mettre Ah maintenant. ouais? Quand t'as pas. Les souvenirs, la connaissance du jeu, la nostalgie qui aident à habiller un peu le graphisme très laid Ouais, du jeu, ça. quoi. Il y a beaucoup de joueurs de World of Warcraft dans le chat. Je sais pas si l'extension. Je me demande si l'extension, elle est sortie à minuit, non? Ouais, c'est Ouais, ça. bah il y a Monsieur Chat qui l'a Ah ouais? streamé même. Ah, je. Cette nuit? De 23h à 1h, dit Ah, l'agenda. d'accord. Bah, tu vois, j'étais pas du tout au courant. Je sais qu'il y a Enjoy Phoenix aussi qui a streamé, ça m'a fait rire. Mais, comme on en parlait la semaine dernière. Ouais. Non, il y a Mizu qui dit, il jouait à Dofus au collège et effectivement, je suis coupable, j'ai joué à Dofus au collège, pas à un niveau incroyable, mais j'y ai joué un peu, ouais. C'était un peu le MMO de mon Ouais. époque, quoi. Et il y a un utilisateur anonyme qui a Ouais, offert plein merci d'abos. Anonymous Merci. Gifter Merci. pour tout, pour les 17. Merci beaucoup. Merci, c'est hyper gentil. Généreux donateur. Merci, merci, c'est très gentil. Ouais, du coup, j'ai pas trop vu non plus s'il y a des joueurs de WoW du coup dans le chat. Ouais, tu penses que c'est pas intéressant de s'y mettre maintenant?
Je sais pas. Pas intéressant, je sais pas, mais en tout cas, ça demande du courage, ouais. Quoi, parce qu'il y a plein de mécaniques, plein de... Après, ça reste cool, tu vois, c'est un monde entier à découvrir, bon... Mais je trouve que... Enfin, c'est pas que je trouve, c'est depuis les MMO, ils ont quand même évolué, ouais. Tu vois, et... Donc, les mécaniques sont pas forcément très, très modernes. Merci Yalen pour les 5 euros. Merci beaucoup. C'est très gentil, merci. Mais comme il y a une extension qui sort là, tu vois, c'est-à-dire qu'ils se mettent à jour aussi, non? Ou ils restent quand même dans un... Moi, je connais pas du tout, hein, je vous avoue, je... Je sais pas, je crois qu'ils rajoutent juste des zones, quoi, ce qui met pas à jour. Alors, par contre, il y a un truc intéressant avec cette extension, c'est qu'elle divise par deux le niveau max. Et ça, c'est assez intéressant parce que, tu sais, il y avait un peu une inflation où chaque extension augmentait le niveau, le ouais. level cap. Donc ça avait commencé à 60, et puis maintenant, tu vois, de 5 en 5 ou de 10 en 10, le niveau maximum, c'était 120. Et du coup, c'était... par exemple, les nombres de dégâts que tu faisais au niveau maximum, du coup, étaient complètement pétés. Ah. Tu faisais, je sais pas, des centaines de milliers de points de dégâts à chaque coup, tu vois. Enfin, ça voulait plus rien dire. Enfin, moi, en plus, je déteste les jeux comme ça, où tu fais 600 millions de dégâts, enfin, pas par flèche, tu vois. Enfin, Diablo 3, il y a le même problème, ça me gave. Et bref. Ouais. Et là, du coup, avec cette extension, ils ont dit, bon, bah, au lieu de l'augmenter, le level cap, on va le diviser par deux. Donc, c'est à nouveau 60 maximum. D'accord. Ce qui est cool, parce que du coup, non seulement ça règle ce problème de l'inflation des points de dégâts, machin, mais ça fait aussi que chaque niveau est plus meaningful, ouais. Tu vois. T'as plus des niveaux où tu montes de niveau, en fait, ça change rien, parce que, bon, il y en a 120, donc ils peuvent pas toujours révolutionner le truc, quoi. D'accord. Il y a Luffy qui nous dit que le moteur graphique oui. a été mis à jour plusieurs fois depuis le lancement. Oui, bah, ouais, gros, oui, j'ai envie de dire, bon. Mais faut voir les captures même d'aujourd'hui, c'est pas non plus. Tu vois, c'est pas. C'est pas crazy. Ouais. D'accord. Ah. Et tiens, en parlant de Diablo, tu joues pas non plus, parce que je crois que la semaine dernière, il y a une nouvelle saison, ou pareil, il y a eu quelque chose sur Diablo, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais alors, moi, écoute, je vais te révéler un secret, Pauline, en ouais. exclusivité. Donc, ça reste entre toi et moi, mais je n'ai jamais joué à Diablo 3. Ah ouais qui me sort vraiment par les yeux. Et je pense que l'expression est bien choisie, parce que c'est vraiment une question de visuel, quoi. Tu vois, moi, tu sais, Blizzard, ils font que des jeux bleu électrique, violet, etc. Et moi, ça me... J'en peux plus, en fait. Et StarCraft 2, c'est la même ouais. chose, tu vois. Et donc, Diablo 3, j'avais joué un peu à une sorte de démo avant qu'il sorte. Je sais plus si c'était exclusif aux journalistes ouais. ou pas. Et mais non, du coup, j'ai jamais joué. Toi, t'as joué à un Alors, Diablo? Pas du tout, mais Yann, que tu connais, donc joue oui. beaucoup à Diablo, et il a joué, du coup, à cette dernière saison, et il est... 330e Europe. Ah, aux dernières nouvelles. Ah ouais, hey, okay. T'as vu, je l'ai vu dans le chat au lycée. Du coup, mais comme c'est sorti ouais, la semaine dernière, qu'on en parle, tiens, et du coup, la semaine dernière, on est un peu passé dessus, mais il y en a là des joueurs de Diablo où wow, on dirait que c'est pas trop joué dans la commu. Ah bah. Alors WoW, c'est vrai qu'ils t'ont pas beaucoup répondu, mais Diablo, il y a quand même plein de gens qui y ont joué, je pense. Ah, Diablo, jouer oui. À Diablo ouais. 2, Pauline. Diablo mais c'est 2, Toto c'est qui joue aussi pas mal à Diablo, non? Ou je confonds de jeux? Non, lui, c'est Dark Souls. Ah oui, Soul, c'est non Dark Souls, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est assez particulier. Ouais, il y a Oncle Fernand qui paraît pas ma cam. Ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier, les hack and slash. Ouais. Diablo, c'est... Ouais, c'est un peu... On ouais. aime ou on aime pas, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que nous, on est... on parle de ça, mais nous, on est plus FPS, quand même. Enfin, toi, t'es plus... Enfin, tu joues quand même un peu au FPS. Alors, écoute, un pas... peu. pas spécialement, mais je vais te laisser faire ta transition, mais non quand même. Mais si, alors attends. Oui, Pauline, on attends, est beaucoup attends, plus attends. FPS, comme Apex Legends. On joue à Apex. T'as joué à l'autre jeu, là. FPS, là. Oui, l'autre jeu. Non, pas Call of Duty. Je sais pas. Attends, j'ai... Team Fortress. Mais non, FPS. Counter Strike. Tu sais... Bah, oui, comment il s'appelle? C'est les FPS.
En solo ou en multi? En PUBG, voilà, merci. Ah. PUBG, tu y as joué? Oui, absolument. Ouais, mais pas non Ah. plus énormément, parce que c'est un peu aride quand même comme jeu. C'est un peu austère, Ouais, PUBG, je quand suis même. d'accord. Mais ils ont eu le mérite d'avoir été les premiers, hein. En plus, c'était fait par un mec qui avait inventé vraiment les Battle Royale avec un mode pour Arma 3, qui était lui vraiment génial. Donc PUBG, c'était bien, c'était un peu brut de décoffrage, quoi, tu vois. Et du coup, je trouve que bah, quand Apex est sorti et qu'ils ont vraiment pris ce que ces gens avaient fait sur PUBG et qu'ils l'ont vraiment modernisé, qu'ils ont rajouté, je sais pas, des couleurs, de l'ergonomie, des trucs agréables à faire, comme les mouvements par exemple qui sont beaucoup plus agréables. Dans PUBG, se déplacer c'est une corvée, même rentrer dans une maison, tu vois, c'est une épreuve. Là, dans ce qui est agréable dans Apex Legends, c'est que tu te Oh déplaces là là, ouais, vraiment les déplacements dans de Apex. façon très très agréable. Ouais, Ah mais c'est ouais. fou, hein. Non, mais ils sont très forts, hein. Ils C'est sont très vraiment un forts pour ça. plaisir. Oui, parce que pour ceux qui l'auraient loupé la semaine dernière, on a fait un stream Apex. On l'a fait quand? Je sais même plus. Mercredi, je crois. Mais Ouais. oui, c'est ça. Et du coup, on remet ça vendredi soir. Oui, Ouais, c'est mais il faut ça. savoir que on. C'est ça. Avec. Mais oui, vas-y, vas-y. Non, mais Oui, alors je te du le coup, dis. on sera pas tous les deux cette fois, mais on sera à trois avec notre très cher Jules. Et c'est à quelle heure d'ailleurs? 20h? Je me demande pas. 20h, ouais, 20h? j'ai mis comme ça, on finit pas trop tard, on va se coucher, tu Ouais. vois, voilà. Ouais, on. Et je vois Birout qui dit, si, il a joué Hitman, ce FPS. Non, mais ça c'est dégueulasse de faire ça. De faire quoi? Il a dit quoi? De dire que je joue à Hitman comme un FPS alors que c'est un jeu Ah. d'infiltration. Non, mais. Tu sais, les gens me conspuent, moi, je. Voilà. C'est pas grave. Mais oui, Apex, c'est vraiment très bien. En fait, ce qui est assez fou dans ce jeu, je trouve, c'est. Donc, les déplacements, déjà, sont très agréables. Ce qui est rare, en fait, dans un jeu, de se dire, bah. Je vais me déplacer à un autre endroit et ça va être cool, ça va être fluide, intuitif. Parce que les personnages peuvent glisser le long des pentes, ils peuvent Ce escalader plaisir. aussi avec une certaine liberté. Et les fusillades aussi sont vraiment géniales. Et ça, on le dit trop peu. On le dit trop peu, Pauline. Les médias nous cachent des choses, mais moi j'ose le dire. Les fusillades sont vraiment très bien. Ouais. Non, mais en fait, dans un FPS, c'est tellement primordial que quand on tire, bah, ça soit, je sais pas, l'arme réagisse bien, ce soit agréable, ce soit précis, qu'il y ait un feedback satisfaisant quand on touche l'adversaire. Je pense que c'est ça qui fait tout Apex, en fait. C'est Tu vois, il y a vraiment. un truc qui m'étonne dans le jeu, par contre, c'est au niveau des niveaux. Tu sais que il y a des gens, ils peuvent être comme j'ai joué avant-hier avec quelqu'un qui était niveau 500, je crois à peu près, Ouais. et en fait, il était pas si bon, même. J'espère qu'il me regarde pas. Mais il était, voilà, enfin, tu vois, d'un niveau normal. Et c'est, tu vois, comparé à d'autres jeux où vraiment t'es classé. Alors là, je sais que t'es classé aussi par Gold ou les trucs comme ça sur Apex. Mais je suis assez étonnée que, tu vois, qu'ils mettent en avant ce côté niveau, mais qui est dû au temps de jeu et pas forcément à tes performances, en fait. Ouais, bah c'est vrai que c'est. C'est. Bah, je sais pas s'ils le mettent beaucoup en avant, par contre, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est une métrique intéressante pour analyser un peu notre niveau. C'est vrai que quand Ouais. t'es niveau 300, bah ça devrait Bah oui. vouloir dire quelque chose, ou même si t'as. Mais en fait, ça ne monte qu'avec le temps de jeu. Mais pareil, le temps de jeu, ça devrait être une métrique aussi intéressante pour se dire bah, est-ce qu'on est bon ou pas. Et moi, tu vois, j'ai 700 heures, je pense, dans Apex. Clairement, je suis pas. Enfin. Je suis pas aussi bon que quelqu'un s'y attendrait quand on lui dit ah, ISO à 700 heures, tu vois. Mais ça, dans plein de jeux, je pense que c'est ça le problème, c'est que tu peux jouer beaucoup si c'est pas en essayant de travailler quelque chose, si c'est pas en ayant des conseils, des quelqu'un qui t'apprend, enfin voilà, et en réfléchissant à des stratégies, etc. Mais tu progresses Ouais, pas, en fait. c'est T'as beau ça. jouer. Tu enchaînes les parties, d'accord, mais en fait, il faut travailler, en fait. Il faut travailler sa visée, sa lecture du jeu, etc. Non, et puis ce qui est dur et ce que j'arrive toujours pas à faire, moi, c'est, ben, on en a parlé, c'est à différencier, il y a trop d'items en fait. Oh, et de savoir qui va sur quoi, même s'il y a des éléments de couleur, mais je trouve ça hyper, je sais pas, c'est pas du tout intuitif, je trouve.
C'est. Ouais, je sais pas, ça demande un petit apprentissage, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il commence à y avoir beaucoup d'items parce qu'il y a, donc, il y a non Ouais. seulement les armes, mais il y a aussi tous les modules de toutes les armes qui tombent en plus à différents niveaux de rareté. Donc parfois, c'est un peu compliqué d'ouvrir une caisse et de voir ce qu'il y a dedans de façon intuitive. Ouais, c'est un peu compliqué, mais en plus ils rajoutent des armes à chaque nouvelle saison, ou en tout cas à chaque nouvelle map, un truc comme ça. Et là, je pense que ça commence à faire beaucoup, quoi, parce que s'ils rajoutent encore des armes, il va devoir rajouter encore des modules, etc. Donc Ouais, c'est un là peu tendu, je trouve. avec le loot, compliqué. C'est compliqué. Oui, et à part à Apex, tu joues à d'autres jeux en ce moment? Pas spécialement. Bah, je joue pour le travail. Je joue à Due Process que j'avais streamé, qui est un jeu de, qui est un genre de Rainbow Six, tu vois, mais réduit à l'essentiel. Et justement, dans ce jeu, les fusillades sont complètement nazes. Donc, on voit vraiment la différence, tu vois, C'est un entre. FPS? Enfin, on voit que ouais, c'est un Mais FPS. pas du C'est tout. tu défends une pièce ou une petite supérette ou un truc comme ça. Avec 4 autres joueurs, et il y a 5 joueurs qui l'attaquent, et voilà, tu dois défendre. Et justement, ça fait. Ah, Voilà, on bah voit quelques on voit à images, ouais. l'écran. Et c'est là qu'on voit à quel point, bah ouais, effectivement, la façon dont réagissent les flingues, dont on voit les impacts, etc., à quel point ça fait ou défait un FPS, quoi. C'est pour ça aussi que Apex est aussi bien, je pense. Parce que Due Process, c'est très très bien, c'est très beau, c'est cool de, bah, voilà, d'essayer d'aller breach comme ça des pièces en cassant des portes à coups de pied avec des potes. Mais le truc, c'est que, enfin, les armes, c'est des pistolets à bouchons, Ouais. tu vois. Tu sais pas quand t'as touché un gars ou pas, enfin, et ça casse Ah, ça vraiment c'est tout, quoi. compliqué, ouais, de pas savoir si tu touches un gars. Tu vois pas les dégâts que t'infliges. Tu vois, mais tu sais, c'est pas comme dans Apex où t'as un petit son, Ah, tu as peut-être une petite ouais, d'accord. animation, t'as le truc. Là, c'est. Limite, le seul truc qui indique que t'as tiré, c'est que la barre de vie du gars elle bouge un peu, mais voilà, c'est tout, quoi. Ça, c'est compliqué. Ok. Il y a Azarn qui te demande, à part Hitman 3, c'est quoi le jeu toi que t'attends dans les mois qui suivent? Bonne question. Mais moi, je ne raisonne pas comme ça. Moi, je prends l'actualité comme ça, semaine par semaine. Tu vois, je suis un Il n'y a vagabond pas un jeu d'actu. que t'attends Bah, il y a Space Wreck sur lequel j'ai vraiment hâte de poser mes mains, qui est un petit jeu de rôle dont j'ai parlé dans le mag. Je crois que c'était le numéro Ouais. précédent. Qui est un jeu de rôle laiton, figure-toi, un petit peu. D'accord. Ok. Et voilà, qui est un genre de. Voilà, qui est un RPG old school, machin. Donc je pense pas que ça fera vibrer beaucoup de gens dans le chat. Mais ouais, ça m'intéresse beaucoup. Et parce que, voilà, j'ai interviewé le développeur qui dit des trucs vraiment, vraiment intéressants, mais que j'ai déjà dit plusieurs fois en stream, donc je vais pas revenir dessus. Mais par exemple, il y aura des quêtes qu'on pourra résoudre de genre 10 manières différentes. Donc D'accord. Ah oui, ça on peut être envoie cool. quelques images. Et ça sort quand? Ouais. Ça sort fin Fin février. février. Ah oui, il y a encore un petit peu de temps. Ouais. Ah bah oui, Il y a mais un bon, petit peu de voilà. temps à attendre. Parce que bah, au niveau, tu vois, des prochaines sorties, on en a parlé la semaine dernière, mais on a plus d'informations du coup. Je crois que c'était la semaine dernière qu'on en a parlé sur bah, le prochain mince la prochaine extension de GTA. Je sais, je vous embête hein, avec GTA, mais là on a eu plus d'infos, on a même une petite vidéo qui est sortie, donc on sait qu'il va y avoir donc c'est bien une île, donc le tease qu'on a eu à travers Gorillaz était donc vrai, donc c'est une île en fait qu'on va avoir en plus où il va y avoir des braquages, enfin des braquages possibles avec bon on va avoir pareil tout le même la même chose avec, voilà, là on voit les quelques images, donc il va y avoir des braquages, des nouvelles missions et tout ce qui va avec, hein, forcément. Mais donc voilà, donc c'est annoncé pour le 15 décembre. Et ça va être trop Mais bien. du coup, il rajoute un bout de terrain, en fait. C'est ça, c'est une nouvelle map qu'ils avaient, enfin, ouais, une nouvelle île Ouais, c'est fou, ça. qu'ils ajoutent.
mais qui est juste, enfin qui est intégré à l'autre. C'est ça qui est à Los Santos, ouais. C'est ça, c'est ça. Et c'est l'île de Cayo Perico East. Mais ça, c'est assez nouveau, non? Parce que les autres extensions, ils rajoutaient pas des bouts de... Oui, là, c'est la plus grosse extension qu'ils ont fait depuis très longtemps. Oui, ils ont annoncé des nouveaux véhicules, des nouvelles armes, des nouveaux lieux pour faire la fête et tout ça. Nouveaux QG, des sous-marins. Donc non, c'est une grosse extension qui va sortir du coup le 15 décembre. Et okay. J'ai super hâte. Je mange. Hein, ah bah écoute, bon appétit. Eh, c'est fait pour ça, hein, le petit déj. Oui, tu regarde. Manges quoi? J'ai des petits croissants. Oh, un petit croissant. Des croissants, parce que finalement j'ai fait. Ah, tu y as été? Eh oui. Bah ouais. Et bah, tu vois, bah c'est bien. Mais là ils ont eu le temps de refroidir, donc c'est ouais, c'est mais un ça peu doit être bon quand même. Hein. Oui. Mais est-ce que le bout de terrain là qui rajoute, ce qui est quand même cool, parce que moi les mises à jour de GTA Online j'en ai pas grand chose à carrer, on peut le dire. Est-ce que... Mais par contre, qu'il rajoute un truc à explorer, ça c'est vraiment chouette. Est-ce qu'il sera dispo aussi dans le mode solo? Je crois que c'est que du online. Si je dis pas de bêtises, c'est une très bonne question, mais je crois que c'est que du online. Hein. S'il y a quelqu'un qui a l'info, mais... C'est dommage. Je crois... Il y a Eraser qui nous dit qu'il y a eu aussi du tease sur GTA 6. Alors j'ai pas du tout vu l'info, par contre. Ah bon? Non, je suis... Ouais, moi non plus. T'as vu quoi, Eraser? Et attends, j'avais vu Hélène Ripley aussi qui était dans le chat. Donc, bonjour Hélène. Et qui disait, je suis curieuse de savoir si la perspective d'Hitman en VR réjouit Isval ou le terrifie totalement. J'ai pas vu que Hitman allait être en VR, mais si c'est le cas, effectivement, c'est assez terrifiant. Comme tous les jeux VR, de toute façon, puisque la perspective de vomir en jouant est quand même assez... ça fait assez peur. Donc tu vas tester ou pas? En VR non, mais j'ai hâte de voir du coup ce que ça donne, parce que en plus autant les jeux en vue à la première personne, je comprends à peu près comment ça marche en VR, mais quand tu vois ton personnage devant toi en VR, c'est un peu chelou, non? Enfin... Non, dans certains jeux c'est bien. Regarde dans Resident Evil, c'est... Oui, mais en VR, je sais pas ce que c'est. Bah, t'essaies justement. Mais pourquoi pas? J'ai juste jamais vu. Sur quel art? En stream, oui. Bah non, mais la VR, il faut de la place et tout. Attends, on a une super salle de stream. Oui, c'est vrai. Ah oui, voilà. Oui, à la rédac, ouais. Bah attends, et ce soir, on a quand même, en ce grand jour du mardi 24 novembre, on a quand même le président qui prend la parole et qui va nous annoncer peut-être un déconfinement. Donc peut-être un retour à la rédac. C'est ce soir, je croyais que c'était peut-être... Non, c'est ce soir, je crois que ça a été confirmé pour ce soir. Enfin, il va pas nous annoncer un déconfinement, propos. Hein. Je me fais pas du tout d'espoir. Mais bon. Moi, je pense que si, mais bon. Non, tu penses pas, toi? Tu penses qu'il va dire oui, on continue le confinement? Non, il va nous annoncer la nouvelle extension de GTA Online. Ouais, attends, heureusement. Et c'est important. Et non, en vrai, il va nous dire, nous donner un calendrier, tu vois, en nous disant d'ici un mois, les commerces vont pouvoir ouvrir, ou je sais pas quoi. Non, pas un mois, parce qu'on est déjà fin novembre, mais. Et voilà, c'est tout, quoi. Je pense. Oui, en parlant d'Hitman, est-ce que tu as vu, parce que ça, c'est une information que j'ai su par mes propres moyens, que les réalisateurs de Hitman, ils font un nouveau jeu? Enfin, ils préparent un nouveau jeu? Mais moi je suis dans les starting blocks là. Ouais, c'est ça. Donc ils annoncent un nouveau James Bond, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, ils annoncent qu'ils bossent sur un jeu d'infiltration, mais qu'ils bossent sur un jeu James Bond. Alors, faut savoir que IO Interactive, donc c'est les développeurs des derniers Hitman qui sont des jeux absolument fabuleux. Et dont le moteur, le concept et tout ça, ça correspond complètement à James Bond, quoi. Donc c'est vraiment le meilleur match possible dans le monde du jeu vidéo actuel, quoi. C'est vraiment génial. Tu sais, on est habitué plutôt à ce que les projets soient donnés à des studios qui sont pas hyper forts pour ce genre de truc, etc. Mais là, pour une fois, ça se passe plutôt bien. Donc, j'ai un peu hâte de voir ce que c'est. J'espère qu'ils vont juste donner une perruque à l'agent 47
faire des nouvelles maps pour Hitman et dire mais si, regardez, c'est James Bond. Parce que une vraie adaptation de James Bond, tu vois, même si c'est dans le moteur de Hitman, parce que c'est quoi James Bond en fait, enfin, comment t'imagines un jeu de James Bond, tu vois, c'est quoi, tu dois draguer des meufs, Ouais, bah c'est vrai que enfin, tu vois, c'est un peu si on bizarre. fait ouais par rapport au film, ouais, ça fait partie du truc quoi. Donc c'est vrai que en jeu vidéo, ça peut paraître un peu Bah c'est ça. Donc après un Hitman où t'as des gadgets complètement pétés à la James Bond, ça peut être très drôle quoi. Donc ça j'ai assez hâte de voir. Après faut aussi voir que donc une adaptation de James Bond, c'est donc ça veut dire qu'il y aura de la narration, une histoire et UI Interactive. Comment le dire poliment? L'histoire, c'est la narration, c'est pas leur point fort. Voilà, c'est pas vraiment leur domaine de compétences. L'histoire dans Hitman est complètement à chier, hein, il faut le dire. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'histoire dans Hitman, hein, ça pourrait être une suite de missions d'un tueur à gages, mais non, eux, ils ont quand même voulu faire des cinématiques avec voilà, une histoire sur l'origine de l'agent 47. On comprend rien, c'est nul, c'est pas intéressant, c'est vraiment incroyable dans sa nullité, quoi. Alors qu'à côté de ça, le jeu est incroyable, tu vois. Donc c'est un peu dommage. Et donc là, dans James Bond, ça me fait un peu peur du coup s'ils se disent mais oui, on va encore raconter une histoire. Wow, calmez-vous. Ouais, mais enfin, ah ouais, tu penses que toi, ça te, je sens pas s'il y aurait une histoire dans Jazz Band. Bah il y aura une histoire, mais du coup ça me fait un peu peur parce que le studio il a montré qu'il savait pas le Ah, faire en fait. ouais. Dans ces derniers. Mais moi bon, c'est pas grave parce que moi une adaptation de James Bond à la limite. En jeu vidéo, on va pas le, on n'y joue pas pour l'histoire, tu vois. Bah voilà, c'est ce que dit Fratus. Les scénars de James Bond sont pas ouf non plus de toute façon. Ouais, Donc, c'est ça. mais donc non, faudra voir le gameplay commencer. Et c'est prévu pour quand? Il y a une date qui a été annoncée? Non, ce sera. Ah, je sais pas s'ils ont dit 2021 ou pas, mais bon, là, ils en sont Ouais, vraiment c'est, juste au ils ont juste début fait du l'annonce, projet, ouais. je pense. Mais ouais, Attends, qui a dit ça? Mizu qui dit après, ils peuvent faire des super bases de méchants, et j'avoue que j'avais pas pensé, mais tu sais, les super bases de méchants comme dans les films d'espions, etc., avec des trucs complètement tentaculaires, Ouais. monumentaux, avec 10 000 salles et 10 000 gardes. Qui sont dans des volcans éteints, tu vois, enfin le truc vraiment complètement exagéré. IO Interactive qui fait ça au lieu de faire des hôtels ou des trucs comme ça, j'ai vraiment hâte de voir parce que, ouais, un Hitman où tu dois infiltrer, ouais, c'est ça, une base avec des requins et des trucs comme ça peut être hyper cool. Et Ouais, ou dans de quoi? l'espace, ouais. Non, il y a Papy Poulet qui dit comme dans Moonraker, mais ouais, dans l'espace aussi, enfin, tu peux faire des bases de méchants dans l'espace. C'est ça qui est cool avec James Bond, c'est que tu peux tout faire. C'est autorisé, quoi. Ah non, ça va être cool. Ça va être très très cool. Il y a Foxan aussi qui dit, et Cyberpunk, tout le monde s'en fout. Écoute, oui. Ouais, c'est... Non, non, enfin, non, pas du tout, pas Non, du pas du tout, pas tout, du ouais. tout. Très 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 jeu très important qui va révolutionner le genre du jeu vidéo à jamais. Il y aura un avant et un après, ça va être incroyable. Maintenant que c'est dit, non bah de toute façon ça sort pas tout de suite Oui, donc ouais, c'est on va ça pas en fait. tarder. On en a beaucoup parlé, et puis après ça a été repoussé, et puis voilà, depuis. Voilà, mais non mais. Moi j'évite de parler de ce jeu parce que il a tellement d'admirateurs qui ont jamais joué, hein, mais qui disent que c'est la huitième merveille du monde. Que je sais pas, il y a une émission de Canard PC où j'avais dit à un moment non mais détendez-vous, ce sera juste un jeu où on fait pan-pan sur des méchants. Ce qui est un Ouais. fait, tu vois, j'ai su rester factuel, neutre et objectif. Et bah j'ai vu que je me suis fait C'est défoncer vrai? dans les Ah commentaires oui. parce que ouais parce que voilà, les gens ne supportent pas ça donc mais bon je pense que ce sera un bon jeu j'ai même hâte d'y jouer, ça va être cool, enfin voilà, ce sera un nouveau Deus Ex enfin c'est comme ça que je le vois quoi, une petite immersive sim avec un petit monde ouvert voilà, mais je pense pas que ça va être
une révolution. Dans le chat, il y en a beaucoup qui attendent Cyberpunk. Ouais. Cyberpunk, ce serait cool comme... Bah non, c'est pire que Star Citizen hein, quand on critique. Parce que Star Citizen, enfin, tout le monde a compris qu'il n'y a plus personne dessus. Il n'y a que les gens qui sont des ultra fans du début qui restent, etc. Mais Cyberpunk, les gens n'y ont même pas joué, qui sont déjà en mode complètement défense inconditionnelle. Bon, après, les images sont sympas quand même. Regarde là de ce qu'on voit. Mais comme je te dis, ça va être. Oui, non. Ouais, non, mais comme je te dis, ça va être un bon jeu. Enfin, voilà, moi je. Mais bon, je pense pas que ça va être. Ouais, ça va être un bon jeu, mais de là en faire des. Ouais. Voilà, parce que. Enfin, après, apparemment, il y a aussi des problèmes. J'ai vu les gens qui ont joué qui disent l'infiltration est pas ouf. Alors que l'infiltration, les gens savent que ça compte beaucoup pour moi. C'est vrai. Donc voilà, faut voir si. Mais ce sera peut-être réglé d'ici la sortie, faut voir. Bah oui, ouais. Parce que là, depuis le temps. Puis oui, il y a un autre problème, c'est que le studio, comme les gens disent dans le chat, c'est un studio aussi qui fait cruncher ses employés, donc qui maltraite vraiment ses salariés, qui les fait bosser des heures complètement démentes. Bon, du coup, c'est vrai que ça... Bon, après, chacun, je pense, comment dire, à sa propre... aborde ça de façon différente, mais c'est vrai que moi, personnellement... Ça me réjouit pas d'acheter un jeu, par exemple, en me disant qu'il va servir à... Enfin, qu'il va venir quelque part, que mon argent va aller récompenser, tu vois, des pratiques comme ça, quoi. Après, il y a des gens qui s'en foutent complètement, et... Enfin, ok, hein, mais moi, c'est vrai que ça me gêne un peu. Enfin, je trouve ça normal. Il y a Brenéhild qui dit, et c'est vrai que des fois, on peut se poser la question, que comme nous, on est des journalistes... de savoir si on n'a pas une version du jeu avant sa sortie pour le tester. Bah si effectivement ouais on va avoir le jeu avant sa sortie, enfin je pense, mais là il est comme il a été repoussé, je crois qu'on l'a pas encore. Voilà, en fait on l'a avant sa sortie, mais pas non plus un mois avant, tu vois, donc là je sais plus quand est-ce qu'il sort, genre le 10 décembre, un truc comme ça. Normalement. Donc, ouais, peut-être que cette semaine, peut-être qu'on va le recevoir cette semaine, ouais, je sais pas. Il y a Razer qui demande si on sait qui c'est qui va le tester. Alors oui, on sait, mais est-ce qu'on peut le dire, ça je ne sais pas, moi je voudrais pas, comment dire... c'est malware a priori. Saboter les effets d'annonce. Bon, tu le vois, chat le sait. Ah bah voilà, ça a été leaké. Bah voilà. Ok. Oui, c'est ça, c'est malware. Ouais, ouais. Ok. C'était entre lui et moi. Et voilà. Et finalement, c'est. T'es déçu ou pas? Bah non, pas tant. Alors. En fait, personne se bousculait vraiment à part lui pour le tester parce que les gens veulent aussi le. Les gens à la rédac, hein, je veux dire, veulent pouvoir y jouer tranquillement. Tu vois. Parce que là, Malware, il va y jouer, tu vois, il va mettre 40 heures dessus en 3 jours et il faudra qu'il écrive dans la foulée et qu'il rende le test. Enfin, du coup, il aura un peu plus de temps parce que on va avoir le jeu en avance, mais en gros, ça va être ça. Et c'est moins fun que d'avoir le jeu et d'y jouer à son rythme, en prenant son temps. Ouais, vous abordez pas les mêmes, le jeu de la même manière quand vous le testez et vous y jouez, quoi. Ouais. Bah c'est ça, de toute façon, quand on le teste, y a une limite de temps, tu vois, donc il faut qu'on rende l'article à tel moment, enfin avoir le bouclage, donc forcément on se dépêche. Non, c'est... Après, parfois ça se rejoint aussi, tu vois, quand j'ai testé Disco Elysium, j'ai mis 45 heures dessus en un week-end, mais j'avais envie, enfin tu vois, j'aurais pas testé le jeu, j'aurais fait pareil parce que je pouvais juste pas décrocher de c'est jeu, ce que j'allais te demander, justement le jeu qui vraiment où t'as le plus joué en peu de temps pour un test, du coup c'est ce jeu là ouais, je pense que c'était ce jeu là il y a bizarrement il y a aussi le dernier Métro, pas le film de Truffaut, mais comment il s'appelle, Métro Exodus. Ah, c'est les suites de Métro 2033, machin, qui est un FPS un peu bidon, enfin, qui est très bien, mais voilà, c'est encore un jeu où on fait pampan sur les méchants.
je sais plus, finalement il est assez long et j'avais dû vraiment passer une semaine dessus à vraiment avancer. Genre, je me levais le matin, je faisais ça, et je me couchais le soir sans avoir fait de pause, quoi. Parce que le jeu était finalement assez long. D'accord. Et toi, Popo, est-ce que t'as des périodes comme ça sur des jeux où tu dévores le jeu, Bah, quoi? c'est toujours le même jeu, mais non, en sortie ou vraiment, parce qu'un jeu vient de sortir et je passe tout mon temps dessus, non. Non, non. Animal Crossing. Mais même pas en plus Badi, en vrai. C'est vrai que je l'ai attendu, mais quand j'y ai joué, j'ai pas passé des heures non plus dessus. Non, mais c'est vrai que pour toi, c'est le quotidien de passer 40 Ouais. heures en 3 jours sur un jeu, mais c'est Ouais, toujours le c'est même jeu. ça. Exactement. Exactement, exactement. Bon, après, peut-être que quand là, avec le nouveau, l'extension de GTA, peut-être que je vais passer du temps dessus quand même pour y tester. Oui. Mais de toute façon, ça monte. On dit 40 heures, etc., mais ça monte vite, hein, de toute Oh façon, les là là, heures de. Les compteurs c'est d'heures. incroyable. En parlant des heures de jeu, c'est quoi toi je sais pas, ton top 5 des jeux que t'as plus joué? Tu sais? Oula. On peut voir sur Steam. Ouais. Après. Oui, c'est vrai que si on ouvre Steam dans la bibliothèque, c'est par défaut, je crois. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, le Ouais. top 5. Ouais. Bah, mon premier jeu, c'est Arma 3, tu vois, où j'ai joué 1400 heures. Ah ouais, quand même. Mais c'est un peu faussé parce que ça, c'est que les jeux Oui. Steam. Et par exemple, je sais que Phone Line, le MMO qui transformait les premiers Fallout en mode multi, j'avais calculé, et donc c'était pas sur Ouais. Steam, c'était il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, et j'avais calculé et j'avais passé 8000 heures, je pense, dessus. 8000. Ouais, je pense même 9000 après, parce que j'avais pas calculé à la toute fin. Ouais, ça a vraiment été une grosse, grosse partie de ma Ah vie, quoi. ouais, quand même. Donc, oui. Donc ça, le fait que ce soit pas sur Steam, ça Ouais. fausse un peu, ouais. Ouais. Mais 8000, ce n'est rien à côté du temps que toi, tu as passé sur un autre jeu. Bah écoute, j'ai passé ce week-end les Ouais. 6550 heures. Waouh. Ouais. Ah Ouais, ouais. je. Mais en beaucoup moins de temps que Ouais. moi sur Fallout, c'est ça Moi, aussi c'est le en truc. 3 ans. C'est En 3 ça. ans. 6500 Ouais, heures en c'est 3 ans, c'est énorme. Ouais. complètement énorme. Papy sur 5M, sur du GTA RP. Mais ce qui est le pire, c'est quand tu calcules le nombre de temps que tu as passé, tu sais, ils te mettent les 15 derniers jours. Ah oui, mais ça c'est le Ouais, pire et truc. c'est Ouais. là où Non, tu moi dis. je refuse de regarder Ouais. ça. Là, c'est. Ah ouais. Ah ouais, c'est. Bah tu vois, ouais, je vois Apex ces 2 dernières semaines, 47 heures. Je suis genre, ah, Ah ok. ouais. Ouais, ça. Ouais. Ouais, mais. Non, c'est Ouais, la ça folie. fait ouais, 2 jours en 2 semaines. C'est ça. Et le 2. Après Arma 3, ça baisse. Donc Arma 3, je suis à 1400. Mais pareil, moi j'ai fait Arma 3, j'ai fait 1300 heures en un an. Ce qui est très très compliqué aussi, c'est quand je suis arrivé à Canard PC et que je faisais des guides Ouais. pour bien démarrer sur des jeux, j'avais fait celui d'Arma 3. Et du coup, j'avais été sur le serveur de Canard PC pour que les mecs, bah voilà, m'apprennent un peu, me montrent un peu les ficelles, tu vois. Et j'avais hyper accroché, et du coup, pendant un an, ça m'a dévoré ma vie, quoi. 1300 heures en un an, je sais même pas combien ça fait par jour, mais Bah, c'est du faut délire. calculer, attends. C'est compliqué. Ouais. Et donc ça 1300. fait 1320 divisé par 365, ça fait Oh, 3,6. ça va? 3h30 3 heures par par jour. jour en vrai. Ouais, bah. Oui, c'est sûr. Alors c'était pas du RP, Baidi, mais ça, je pense vraiment qu'il y aurait un truc à faire. Popo, en plus, toi qui fais plein Mais j'en de ai fait RP, moi du c'est. RP sur Arma. Enfin. Mais oui, non, mais il y a un truc à faire, je veux dire, il faudrait qu'on en parle un jour vraiment sérieusement Mais parce que c'est c'est en fait, intéressant. j'ai commencé le RP sur Arma. Ma première expérience RP, vraiment à proprement dit, ça a été sur Arma. Sur les Ouais, Altis ouais, Life? ouais. Mais c'était bon, c'était pour moi du semi-RP. C'était pas. C'est vraiment, vraiment cool, quoi. C'est vraiment immersif. Ouais. Bah, ouais. Et après, t'as continué en fait sur GTA Online, c'est la même chose en fait. Enfin, c'est beaucoup mieux, mais c'est le même Ouais, concept quoi. exactement, ouais.
Mais c'est beaucoup plus évolué sur GTA. Parce que sur Arma, tu restes les méchants contre les gentils, ou enfin, voilà, deux groupes qui s'affrontent, et puis ça reste très... Bah, t'as des métiers aussi, non? Tu peux être vendeur de jet Ouais, ski. alors ça, j'ai pas essayé, ouais, le RP comme ça sur Arma. Moi, j'ai vraiment fait RP en étant une militaire, c'était particulier, quoi, mais... Mais non mais voilà, donc et moi pour le coup j'ai pour répondre à la question, j'ai pas fait de RP sur Arma 3, j'ai fait du Min-Sim, et comme dit Doc Armitage, le Min-Sim Arma c'est la meilleure expérience de jeu de rôle sur un jeu vidéo selon moi. Ouais, je suis assez d'accord, ça dépend du serveur et ça dépend C'est quoi aussi des gens. exactement? Bah le Min-Sim, donc simulation militaire, c'est juste que tu fais des missions donc en coop contre une IA, enfin. Ça peut être, si t'es assez, ça peut être contre d'autres joueurs, mais. Et t'essaies d'aborder les missions vraiment comme le ferait l'armée, tu vois, l'armée de terre. Donc chacun a un rôle vraiment précis, il y a une hiérarchie, et puis il y a je sais pas, des procédures, tu vois, des tactiques qui sont vraiment celles qu'on pourrait retrouver à l'armée. On avait des mecs. Qui passaient leur temps à éplucher les documents de Ah ouais. l'OTAN pour voir les procédures d'engagement et tout ça. Mais ce qui est le plus fou, c'est que, et c'est ça qui fait vraiment toute la différence et qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était pas pour faire du RP, pour se dire, regardez, on fait comme les militaires. C'était parce que Arma 3 est tellement poussé comme jeu que, justement, c'est faire ces tactiques militaires, etc., qui sont enfin, qui est la meilleure façon de gagner, en fait. Et donc, on faisait les règles d'engagement et les hiérarchies avec répartition des rôles, etc., comme pourrait le faire l'armée, en beaucoup plus light, évidemment, hein, parce que, non pas pour avoir un rôle, parce que c'est très efficace et que c'est comme ça qu'on gagnait, en fait. Tu joues encore? Est-ce que ça évolue vraiment à Arma? J'ai pas l'impression qu'il y a encore beaucoup de monde qui joue, ou j'en connais pas en tout cas. Alors, malheureusement, maintenant, c'est vraiment beaucoup. Que des connaisseurs et des passionnés qui y jouent, ça évolue pas des masses parce qu'il n'y a plus de DLC. Mais il y a beaucoup de mods qui sortent et qui, bon, qui révolutionnent pas le jeu forcément, mais qui sortent par exemple des uniformes et des tanks de la guerre froide, etc., quoi. D'accord. Ouais, Jules qui dit je fais un peu la même sur Squad en ce moment, bah c'est un peu le même concept, sauf que Squad, en fait, il voulait à la base. Ne garder que les scènes d'action de Arma, parce que Arma c'est aussi beaucoup de scènes où tu rampes dans les orties pendant 1 heure, où t'attends sur une colline et il se passe rien pendant 1 demi-heure. Enfin, moi j'ai fait des soirées entières où je tirais pas un seul coup de feu. Ah oui. Et donc bah, ça plaît pas à tout le monde. Donc Squad, ils se sont dit bon, on va faire ça, mais on va garder que les batailles. Et bon, moi ça me plaît moins, mais je trouve que le jeu est moins. Du coup, ça perd quelque Ouais. chose, tu vois. Et tu sais, du jeu aussi qu'on avait parlé, mais je sais pas trop si c'est il y a vraiment du RP dedans là. Tu sais où c'est, tu mènes des combats, mais à l'époque de Napoléon un peu. Comment il s'appelle Ah ce ouais, jeu? Hold Fast Nations at C'est War. quoi? C'est Hold Oui, Fast ouais, c'est Nations ça, tu at l'avais testé, War. je crois, dans Canard PC, non? Ou t'as fait un stream dessus Ouais, je ou... l'avais. Absolument, ouais, bah, j'ai été un des premiers joueurs à y jouer, même parce que c'était adapté d'un mode de Mountain Blade que je suivais. Voilà, qui rajoutait du coup des fusils dans Mountain Blade, etc. Et après, les mecs se sont dit, bah, si on en faisait un vrai jeu. Et ouais, ça aussi, c'était incroyable, effectivement. Mais là, c'est plus une question d'ambiance que de comment dire, de Ouais. mécanique et de respect des règles, etc. et des protocoles. Parce que bah voilà, t'es avec 50 gus dans un fortin d'une guerre napoléonienne et tu le défends contre des hordes de Prussiens, tu vois, et t'as les boulets de canon qui volent, t'as les explosions, t'as un mec à côté de toi qui dans son micro passe une Ah musique oui, complètement non mais ça épique, c'est... c'est du J'aimerais trop délire quoi. tester ce jeu-là. Je sais pas s'il y a encore des joueurs dessus. Ouais, je pense qu'il est encore assez actif, ouais, parce qu'il y a des mises à jour qui sortent assez régulièrement. Ah bah si un jour tu veux qu'on fasse ça aussi, ce sera avec plaisir. Je l'avais acheté, il était en promo, Ah bah grave, écoute. il était en promo sur Steam, ouais. Ah ouais, c'est Et vrai. je l'avais pris mais j'ai jamais testé Ah en bah fait. ouais.
Ah oui, bah quand on sera lassé de Ouais. l'Apex, Mais est-ce qu'on on va fera être ça. lassé d'Apex un jour? Bah non, c'est ça le problème. Bah non, déjà 700 heures, tu vois, c'est Ouais, ce que non, je te disais. c'est... Mais justement, comme ils sont... Avant, c'était que sur Origin, Apex Legends. Et maintenant, il est passé sur Steam. Mais du coup, moi, j'ai perdu mon compteur d'heures. Tu vois, ils ont pas transféré Ah oui, les c'est heures. C'est un dommage, peu ouais. dommage. Du coup, là, je ne suis... Je suis retombé à 66 heures de jeu seulement, alors que j'en ai... Ouais. Ouais, j'en ai 650 sur Origin. Donc, c'est un peu Mais c'est pour dommage. ça que j'ai commencé en fait, Et, moi, mais... Apex, parce qu'il a été mis sur Steam et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple, ouais. Bah ouais. Mais plein de gens, je pense, mais c'était pour eux, c'était le bon Ah calcul oui. hein, de Ouais, le non, mettre sur Steam. ça c'est sûr. Je fais partie de ces gens qui, si les jeux sont partis sur Steam, j'y joue pas. Enfin, ou peu, quoi. C'est un peu con, Ouais. mais... Bah ouais, parce que tu passes potentiellement Bah à oui, côté je de mon jeu, sais. quoi. Bah là, comme Ouais. Apex, tu vois, s'il était Bah resté sur ouais, j'avais Origin. jamais joué avant. Ouais, non. Bah. Et les Sims, c'est Oui, que sur je sais. Origin. Ouais, Attention. je sais. Et sinon, le deuxième jeu auquel j'ai le plus joué d'après Steam, ça m'étonne un peu, mais c'est Rust. J'ai joué 800 Ouais. heures. Et donc un jeu de survie, voilà, en PVP, très 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 violent. Oui, Rust, c'est le jeu où même si, par exemple, t'es pas en ligne, tu peux te faire dégommer ton camp et... Ouais. C'est ça. En fait, c'est un jeu de survie où tu fais ta base et en fait ta base, bah, n'importe qui peut venir à n'importe quel moment et s'il a des explosifs, l'ouvrir en deux et piller tous tes coffres, te tuer dans ton sommeil et se barrer, ce qui est ultra Bah violent oui, quand ouais. même. Mais je sais pourquoi j'ai un compteur d'heures énorme sur ce jeu, c'est parce que j'ai passé les nuits entières debout à veiller sur la base parce que je savais qu'au cœur de la nuit, il y avait des mecs qui allaient se dire, Allez, il n'y a plus Ouais, bah personne, on oui, y c'est va, quoi. ça. Alors maintenant, ils ont développé une appli genre, ce qui est assez malin d'ailleurs, parce que maintenant, il y a de l'électricité dans Rust, c'est un peu comme la redstone dans Ouais. Minecraft, et tu peux faire des détecteurs de joueurs, etc., que tu craftes hein, et que tu poses avec des faisceaux laser, machin, ou des plaques de pression. Et si ça fait un signal électrique, bah, tu peux dire que ça l'envoie sur une appli dans ton téléphone. Non. Donc, si ça se trouve, tu peux te faire réveiller par une notif qui te dit des joueurs sont dans la base, et donc tu te précipites sur ton PC et tout. Ah oui, C'est c'est vraiment ils ont chouette. poussé le jeu. Mais tu sais que nous, Ouais. enfin, vu que bah, forcément le GTA prend beaucoup de place dans ma vie, malheureusement, il y a ce côté où aussi où je me suis dit, mais si un jour ceux qui développent sur 5M arrivent à exporter des choses sur une application mobile et que dans ta vie quotidienne entre au Enfin, ça doit être, t'es complètement tout le temps dedans, en fait. Enfin, ça doit être... Ah bah c'est à mon avis c'est le rêve de plein de développeurs parce qu'effectivement c'est le jackpot, il y a plein de joueurs qui rêvent qu'on leur envoie un message pour leur dire putain la Ah bah... base est attaquée, viens nous Ouais. aider, Non, mais tu vois, c'est enfin sûr. c'est hyper immersif quoi. Oh. Donc ouais bah il y a des gens qui disent ça va trop loin, c'est vrai effectivement, c'est pas fou niveau équilibre de vie, hein, mais c'est mieux que de rester connecté au jeu en permanence et Oui. au cas où quelqu'un viendrait l'attaquer quoi, ce que j'ai fait Ouais, mais c'est à double pendant assez tranchant. Il y longtemps. a peut-être le truc où tu peux te dire, comme moi, tu vois, en RP, je me dis, bon, bah, je déco, je sais qu'il va se passer plein de trucs le moment où je vais plus être là, et c'est hyper frustrant de se dire, bon, bah, tu as tout loupé. Et du Ah coup, ouais. des fois, tu vas rester plus longtemps en te disant, bon, vas-y, au cas où, si je joue pas un truc. Mais là, est-ce que les gens vont se dire, vas-y, je déco, au pire, on va m'envoyer une alerte sur mon téléphone? Ou est-ce que justement, ça va pas faire encore pire parce que tu peux être harcelé d'alerte et encore plus jouer, tu vois? Bah ouais, c'est ça, non mais complètement. Oui, ça te libère ta Ah vie ouais, quoi, l'appli. Non, non, la faut pas vache, croire ça peut ça. être Non, non. hyper, hyper chaud. Mais j'avoue que si ça arrive, ça peut Ouais. être énorme Mais. aussi, quoi. Bah en plus, il faut un quart d'heure pour se connecter au jeu, tu vois, pour charger la partie, donc c'est vrai que c'est un Ah peu un ouais, c'est problème long? aussi. Mais ouais, il y a Angel, y a, ouais. Y a Enjolras qui dit, ça me rappelle Travian, où il fallait surveiller les assauts 24h sur 24. Et ouais, c'est vrai que tu sais, tous ces jeux par navigateur comme ça à l'époque, comme OGame, etc., où bah, t'avais. Alors c'était des tableaux Excel, tu vois, mais il y avait des joueurs qui pouvaient t'attaquer, et effectivement, s'ils lançaient l'attaque au cœur de la nuit, bah toi, tu pouvais rien Ah faire, quoi. ouais. Mais c'est pas... Bon là c'est un jeu mobile, c'est un peu différent, mais il n'y a pas World of Tank aussi, ou c'est ça? Ou si... Il Non. n'y a pas un jeu mobile où si t'es pas en ligne, tu peux quand même te faire attaquer et tu reçois justement une alerte sur téléphone en disant t'es en train de te faire attaquer?
Ah ouais, alors ça, Je... ouais, possible. Par contre, c'est pas World of Tanks, non, parce C'est que pas World of Tanks, ça? c'est juste Ah, des ok. arènes, c'est juste Non, des bah, je confonds batailles. peut-être de jeu, mais je me demande s'il n'y a pas un jeu où... Je sais pas. Et que je raconte des bêtises. C'est ça, comme dit Papy Poule, le chirurgien qui plante tout en pleine opération en disant « Ouais. Attendez, tant pis pour la gangrène, faut que je me coule, Ouais, c'est je suis ça. attaqué. » Et j'ai vu quelqu'un qui disait juste avant « Ouais, League of Legends, etc. » Et c'est vrai que ça aussi, c'était un gros jeu qui n'était pas sur Steam et sur lequel moi, j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Ah, t'es un joueur Donc LOL? pareil, je pense que... T'as Pardon? joué à LOL? Ouais, j'ai Ah, je beaucoup savais joué à pas. LoL, Tu sais, j'aimerais bien apprendre LOL. Mais c'est Bah hyper compliqué. maintenant, moi Ah, c'est tu pas joues un plus? jeu. Bah ouais. Bah, alors non, moi j'y joue plus depuis D'accord, très ok. longtemps. J'y jouais vers 2010-2012, un truc Ah. comme ça. Maintenant, c'est pas un jeu auquel je conseillerais de se mettre. Tu vois, j'ai hésité parfois, je me disais, oh, ça pourrait être cool de s'y remettre, machin. Bon, déjà, c'est un gros investissement, lol, pour tout Ah ouais? apprendre et bien maîtriser et devenir bon, apprécier ce qui se passe. Il faut énormément de temps. Mais Dota c'est pareil, hein. Je vois des gens qui disent Dota, mais oui, bah, c'est la même chose. Dota c'est encore pire, hein. Niveau apprentissage du jeu, laisse tomber. Et en plus, il y a une communauté qui est pas très Ouais. agréable, donc ça c'est. Alors, tu peux t'en foutre, moi je m'en fous, hein, que les joueurs m'insultent et tout ça, tu vois, je les mute, mais c'est vrai qu'à la longue, bah c'est pas hyper agréable de te dire, bah allez, je vais lancer un jeu, et puis mes coéquipiers, ce sera des Ouais, je vois. connards, enfin tu Mais vois, tu vois? c'est relou. Ouais, Mais. vas-y, excuse-moi, je veux pas te couper. Et non, et juste, et je finis juste. Et le dernier truc, c'est que maintenant, ils ont rajouté plein, plein, plein de champions, de héros. Et du coup, maintenant, pour apprendre le jeu, c'est très dur. Parce que voilà, faut Ah. apprendre toutes les compétences de tous les champions. Et il y en a plus d'une centaine, Ah donc. ouais, ok. Parce que justement, tu vois, je trouve que le fait de pas jouer à LoL, des fois, j'ai l'impression d'être le, tu vois, le petit canard noir, tu vois, le petit poussin. Ah ouais? Ouais, que... Pourtant. Pourtant, c'est moins Ah bah populaire qu'avant. franchement. Merci Robin pour l'abo. Merci Robin pour tous tes Les gifts. abos. Mais non, franchement, pas du tout. Au contraire, en plus, il y a beaucoup d'événements communautaires qui sont faits autour de LoL. Et ouais, moi, tu vois, j'y joue pas. Quand tu es au cœur d'une communauté, je me sens souvent seule de me dire, putain, je suis la seule à pas y jouer, quoi. Ah ouais. C'est marrant parce que maintenant on n'entend plus du tout parler de ce jeu quand on n'est pas dans les Ouais. cercles, tu vois, des gens qui y jouent. Alors qu'à une époque, LOL, c'était le jeu PC le plus joué au monde. Ah ouais, C'était c'est vraiment étonnant, incroyable. ouais. C'est étonnant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un voleur de pain au chocolat qui passe. Ah bah oui, mais je comprends. Mais je me suis toujours demandé si ces pains au chocolat et ces croissants étaient pas genre en plastique, Et tu non, vois. c'est des vrais. Tous les matins, je vais à la boulangerie pour ouais. Voilà. Bah ouais, attends. Tous les Tous les matins. non, tous les mardis matin, pardon. Voilà. Oui. Non mais franchement, bravo. Et toi en plus, on te voit jamais en manger. C'est C'est honteux. vrai. Tu dois te retenir et C'est un tout. peu, ouais, c'est un peu tentant, mais bon. Je me sens mal à l'aise de faire de l'ASMR ou manger. Tu vois, je peux pas me mute Oui. discrètement pour manger. Tu vois, j'ai pas cette chance. C'est vrai. Et puis t'as quand même besoin de parler, Oh, là tu ouais, vois, tu vois. je viens de Voilà, je manger mais comble. je suis obligé de dire un Non, truc. mais voilà. Après, C'est on ça. serait deux sur un plateau. Peut-être que, tu vois, pendant que l'un parle, l'autre pourrait manger. Faire le petit déj Eh ensemble. oui. C'est vrai, mais à bientôt Mais oui, j'espère. bah Faudra j'espère voir. aussi, ouais. J'espère aussi. Et oui. Et jus d'orange est là. Oui, il y a jus d'orange là. Et toi, le deuxième jeu auquel t'as le plus joué, c'est quoi? C'est CSGO, je crois. Ouais. Ah bah ouais, bah oui, parce qu'on en sait Ouais, beaucoup j'ai alors avec. CSGO avec 630 heures de jeu. Ah ouais, ah mais c'est 2 fois plus que moi, Popo. Ouais, mais après CSGO, ça a été mon premier jeu vidéo auquel j'ai joué quand j'ai commencé à jouer, à devenir une gameuse. Et c'est vrai que bah, déjà rien que sur les 600 heures, il y a au moins une centaine d'heures qu'on a dû faire à la rédac, hein, je pense. Non? Ouais, une Combien tu dis? centaine. Ah, peut-être pas. Ah, on y jouait souvent quand même, Ah hein. oui. Oui, 100 heures, je Ouais. pense, c'est à peu près ça, Ouais. Donc, ouais. et je suis Nova 3 Badi à CS. Et j'étais jusqu'à double AK. Ah, double AK, Ouais, c'est une bien ça. pro-gameuse, Ouais, bravo. Non, mais faut le dire, hein, t'étais hyper forte à la rédac, tu nous ouais. déchirais, quoi. Ouais, c'est vrai que
Alors que c'était ton premier FPS, c'est même pas ton premier jeu, c'est ton premier Ouais, FPS c'est en ça. plus, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc Bah c'est ouais, fou, je sais quoi. pas. Mais tu vois, sur Apex, je suis nulle, quoi. C'est dur. Ouais, bah parce qu'on perd tout vite. Et puis, tu sais, on va pas révéler ton Non. âge, Popo, mais tu n'as plus 20 ans, comme moi. On parle pas. Et les pro-gamers de FPS, mais ils sont à la retraite Ouais. à 24 ans, tu vois. Parce que, alors sauf peut-être sur Call of, etc., et tous les jeux sur console, où même en pro, il y a de l'auto-aim, il y a de Ouais. l'assistance à la visée. Donc ça, c'est assez fou. Mais ouais, maintenant, à 24 ans, ils ont plus assez de réflexes, tu vois, pour viser et tirer efficacement. Ils perdent les millisecondes qu'il leur faut pour être compétitifs, quoi. Ouais, après, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui en pro player qui ont plus de 27 ans. Là, ils disaient RPK. Il y a un joueur de Vitality aussi qui avait été hyper bâché parce que justement, on lui avait dit ouais, quand tu auras 25 ans, tu seras plus rien. Et puis que là, il en a au moins 27-28 et il a gagné encore une compète mondiale il y a, je sais plus, en début d'année ou l'année dernière, je me souviens plus. Et qui disait bah, comme quoi, c'était pas. Voilà, là je ne veux pas tout dire, mais c'est vrai que quand nous on fait pas ça pour le plaisir, c'est vrai que là sur Apex, tu sais que t'as des pros, enfin t'es, ouais, en étant, Ah c'est non, mais horrible, c'est... enfin Oui, c'est même pas la peine, hein. c'est vraiment, tu te dis. Il y a Jules qui dit, à 24 ans, ayant 24 ans, je n'arrive plus à voir mon arme à cause de la vieillesse. Mais oui, non, mais c'est un vrai problème. Tu te rappelles plus des maps. Enfin, Ouais, non, tu vaux plus rien à non mais 24 ans. même au niveau de la vue, je trouve, de la vision, je trouve que, ah non mais Vraiment? sur Apex, c'est horrible. Et c'est là où je pense que ça n'a pas une même vue que de jeunes, quoi. Ouais, possible. C'est dur. C'est dur, hein, de vieillir. Il faudrait aller chez un ophtalmo Bah quand non, même, mais j'ai des Popo. lunettes et tout, hein. Ah! Mais tu les mets en Je les jouant? mets en jouant, ouais. Ouais. Mais bon. Ok. Apex, je vois jamais rien à l'action. Tiens, bah, Crumix, je suis exactement comme toi. Non, mais c'est le début, ça. C'est parce que vous Ouais, débutez, c'est normal. on va dire ça, j'espère. J'espère, j'espère. Mais oui. Et du coup, dans le chat, ils ont joué à quoi si vous allez sur Steam et que vous regardez, Ouais, vous, vous c'est triez par quoi? heure de jeu là dans votre bibliothèque? Mais. En attendant d'avoir les réponses, moi, et mon troisième jeu, c'est Team Fortress. Je suis à pile 600 Ah, heures. tout rond! Team Fortress 2, où c'est vrai que j'ai beaucoup joué. Tu as joué à Team Fortress, toi, Popo? J'y ai joué, ah bah, avec la rédac. J'ai dû faire 2-3 games avec la rédac, mais c'est Ah ouais. tout. Oh là, alors là, on a un déluge Alors, de... 16, Ouais. 1.6, oh la vache! Ah oui, t'as... Ça Non, remonte, ça. Lenny. 300 heures sur Team Fortress. Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui disent Team Fortress, mais je pense que c'est normal parce que pendant longtemps, ça a été le seul grand jeu multi, tu vois, d'action, qui était très bien fait. Et maintenant, il y a tellement de concurrence, pas que en FPS, hein, mais dans tous les autres genres de jeux, que maintenant, c'est très dur, je pense, d'unifier Ouais. comme ça tous les gens dessus. Mais même pour la communauté Canard PC, c'est comme ça que ça a grandi, hein, la communauté Canard PC, c'était les serveurs Oui, c'est TF2. vrai, ouais. Où il y avait des centaines de personnes, enfin c'est un truc énorme TF à l'époque. Et ouais, donc il y a plein de gens qui... FTL, non mais comment, enfin je sais pas combien d'heures j'ai sur FTL, mais on peut pas passer 600 heures là-dessus quand C'est quoi même. FTL? FTL, tu sais le jeu dans l'espace, j'ai 56 heures dessus, Ah ouais. on va pas approcher les trois chiffres. 2500 heures sur EVE Online. Bah, EVE Online, vu comment c'est chronophage, à mon avis, ça rejoint vraiment ce dont on parlait tout à l'heure. Ça doit vraiment te bouffer tellement de temps, tellement toute ta vie, quoi. PUBG 900 heures. Oh la vache. Oxygen not included, 1260 heures, glouton. Waouh. 1260 heures à faire des bases sous la terre et tout. Ah oui. Pass of Exile, plus de 5000 heures. Je Waouh. vois, j'ai vu plusieurs fois passer Overwatch. Tu y as joué, toi, à Overwatch? J'ai bien aimé, moi, Overwatch. Non, pas du tout. Bah, comme je disais tout à l'heure, moi, les jeux Blizzard Ah oui. modernes, ça me gonfle un peu. Mais c'est vraiment, il y a vraiment un côté jeu visuel, hein, c'est toujours la même palette de couleurs. J'en peux plus, quoi. Et Overwatch, bah, ça avait l'air d'être un Team Fortress, mais je préfère en fait Team Fortress, tout simplement. Je trouve que Team Fortress est plus inventif. Tu vois, le spy, l'ingénieur, c'est quand même des trucs cool. Et le côté Overwatch, on va moderniser Team Fortress, mais aussi on va
c'est pas qu'on va le moderniser, c'est aussi qu'on va lui retirer un peu ce qui faisait de lui un jeu à part, bah ça me gêne un peu, quoi. Enfin, le 4, 200 heures, j'ai honte, mais moi aussi j'ai honte. J'ai honte pour toi, Professeur Acide. Ah ouais. C'est marrant parce qu'il y a vraiment plein de jeux confondus, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que les compteurs sont. Bah ouais, Yann qui dit je dois être dans les 10 000 heures tous les CS confondus. C'est vrai qu'il y a des séries, quand il y a des séries comme ça, ça fragmente un peu. Bon, après CS, il y en a eu plusieurs aussi. Bah c'est ça, c'est ce que je dis. Du coup, ton compteur d'heures, du coup, est pas forcément accurate. Oh là là. Skyrim, beaucoup de gens qui disent Skyrim, c'est vrai que c'est un grand jeu solo, hein, ouais. J'ai combien d'heures sur Skyrim? Et toi, t'as joué à CS, Izu? À CSGO? Bah, bien sûr, j'ai genre 300 heures. Mais. Oui, on y joue ensemble, oui, mais je suis. Mais attends, comment je peux avoir que 20 heures de jeu sur Skyrim là? C'est pas possible. Avant, il était pas sur Steam ou. Parce que j'ai pas joué que 20 heures à Skyrim, c'est n'importe quoi. Fait plusieurs parties et tout à l'époque parce que ça commence à remonter Skyrim. Mais oui, c'était pas sur Steam, c'était en 2000. Bah t'es un PGM. Oh, bon, qui dit, hein. Ouais CS, mais CS je trouve c'est très enfin CS c'est vachement aride, tu vois, c'est vraiment t'es dans une arène, tu tires, voilà. Et je trouve il manque ce truc qu'a Team Fortress, qu'a avec les compétences, bah tu peux jouer spy, tu peux faire des trucs. Faire des tourelles, enfin être médic, tu vois, CS c'est vraiment juste tu pointes, ouais. Et tu tires, quoi. Ce qui est très bien, ce qui enfin c'est vraiment un super jeu, mais pour moi du coup bah voilà, il manque peut-être quelques dimensions qu'ont pu rajouter d'autres jeux de tir, tu vois. Sur CS tu parles? Ouais. Ouais, sur CS. Bah, en fait, CS, ce qui est bien, c'est quand tu joues en vraie team, que t'es à 5, t'es une vraie team, vous êtes tous en vocal et tu fais des vraies stratégies et là ton jeu est complètement différent. Ouais. Quand tu joues où t'es un ou deux avec tes potes, tu te retrouves avec trois autres personnes ou qui en vocal t'insultent ou tu te fais kick et c'est fini, les games comme ça, c'est pas ouf, quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair. Il y a. Oui. KLE qui dit 200 heures sur Titan Quest, mais non, mais sérieusement, mais qu'est-ce que vous faites? Du coup, il y a. Alors, pas voir, rien à voir avec les FPS, mais il y a Sifred qui demande si on a aimé Terraria, parce qu'il y a eu des récentes mises à jour. C'est toi qui as joué à Terraria, non, Izu? Pas du tout, j'ai couvert les mises à jour dans la rubrique La Caravane Patch, la meilleure rubrique du magazine Canard PC, n'est-ce pas? Non, Terraria, ça va jamais. Moi j'étais plus team Minecraft et Starbound, qui n'était pas un grand jeu non plus. Hein. Mais Terraria, j'ai jamais vraiment accroché, non. Alors que c'est super. Il y a quelqu'un qui joue à la rédac, parce que on me l'a conseillé ce jeu, j'ai jamais joué, je l'ai, et on me l'a conseillé à la rédac, je sais pas qui y joue. Ça, c'est. Je suis sûr que c'est Cannes ou c'est. Ah ouais, c'est possible. Je sais pas, mais moi, j'ai jamais joué à Terraria. Bah, c'est moche, hein, Terraria. Ok. Donc, du coup, faut pas y jouer. Ah oui! 280 heures sur Prison Architect Oscar, ça, j'approuve. J'en ai 271. Tu en as 9 de plus que moi. Et j'ai vu aussi quelqu'un qui disait, ça m'a beaucoup plu. Attends, c'est quoi? 519 heures sur Duelist pour Uramashi, alors ça c'est cool. Duelist donc était un jeu de cartes, tu sais, on y jouait pas mal à la rédac, notamment avec Pipo à l'époque. Ouais. Et maintenant il n'existe plus ce jeu, il a disparu. Tout le monde est parti sur la durée et ils l'ont mis hors ligne. Merde, d'accord. Ouais, rip. Ok. Et tu joues pas à Black Ops? Je vois que là, ça en parle dans le... Ah non, moi, les Call of... Non plus. Non. J'ai joué un peu à Warzone pour le mag, donc qui est le Battle Royale, tu vois, des derniers Call of. Que très bien, hein, mais bon, je préfère Apex. Voilà. Ouais, c'est vrai que... Bah, oui, c'est vrai qu'il y a Minecraft aussi, qui est pas sur Steam, donc... Mais ça, tout le monde a dû jouer beaucoup à Minecraft, je pense. Enfin, tout le monde, non, mais pour plein de gens, ça doit aussi fausser un peu le compteur. Minecraft, c'est super, popotage. Alors, j'ai essayé...
Mais j'ai pas. J'ai dû pas jouer avec les bonnes personnes qui m'ont bien appris le jeu, du coup, j'ai pas joué plus que ça. J'ai essayé, hein, mais. Ah ouais, ah, Je c'est sais dommage. pas. Après, moi je suis pas hyper fan de ce qui est devenu Minecraft. À l'époque c'était cool, c'était assez simple, t'avais pas d'histoire. Maintenant il y a un scénario, il y a une fin du jeu, il y a des dimensions parallèles, tu peux faire de la magie, tu peux voler en te greffant des ailes et tout. Enfin, tu vois, c'était mieux quand Ah c'était oui, simple, ouais. quoi. Bon. Enfin, mieux je sais pas, mais moi ça me convenait plus, quoi. Ok. Et Dofus, non? T'as joué à Dofus? Bah ouais, c'est ce Ouais. que je disais tout à l'heure, mais alors moi, mon grand regret, c'est que. Alors j'ai joué à Dofus, mais qui était très cool parce que c'était des combats au tour par tour, Ouais. Dofus. Donc en termes de rythme, c'était vraiment sympa et de tactique. Et du coup, ils en avaient fait un spin-off qui s'appelait Dofus Arena. Je sais pas si des gens y ont joué dans le chat, mais. Alors il y a eu deux versions, mais la première version, c'était incroyable. C'était un jeu de combat au tour par tour, du coup, où tu faisais ton équipe toi-même en piochant dans les races existantes dans Dofus, Oh. qui sont très 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 différentes. C'était un peu ce qui faisait l'intérêt du jeu, c'était que toutes les races se battaient ou avaient des concepts vraiment très différents. T'avais une race qui posait des pièges sur la carte au tour par tour, t'avais une race qui faisait que des invocations. Etc. etc. T'avais des healers. Et donc tu faisais ton équipe et tu te déplaçais comme ça tour par tour sur la carte. Et en termes de tactique, c'était incroyable. Mais après, ils ont. Et je sais pas, le jeu a pas dû avoir plus de succès que ça. Donc ils ont pas dû. Ouais, on le voit à l'écran, c'est bien ce jeu-là. Ils ont pas capitalisé plus que ça. Ils l'ont transformé en semi-MMO. C'était un peu bizarre. Enfin, voilà. Donc malheureusement, ça a fini par bider. Mais Mais c'était je un peu bizarre. crois qu'il a encore joué ce jeu, hein. Je crois, non? Alors, peut-être, mais je. En tout cas, c'est plus comme la première version, alors c'est pas bien. Ah ouais, ça je sais pas du tout. Moi je sais que j'adore les j'adore oui, je vois Wakfu, mais j'adore l'univers parce que j'aime beaucoup le dessin animé. J'ai beaucoup beaucoup regardé le dessin animé. Oui, mais c'est vrai que le jeu j'ai jamais testé. Ah, mais Dofus, oui, c'est encore beaucoup joué, mais là je parlais Ouais. vraiment du spin-off Dofus Arena. Mais oui, Dofus en tant que MMO, ouais. C'est vrai qu'il y a eu Wakfu après. Wakfu, j'ai jamais joué, c'était censé être un peu le Dofus 2 non officiel, tu vois. Ouais, non, j'ai jamais joué. Mais Dofus, ouais, c'était vraiment, vraiment classe. Franchement, j'ai de bons souvenirs d'avoir joué à ça quand j'étais adolescent. C'était classe. Y a pas des jeux comme ça de l'époque que t'aimerais bien y rejouer? Ou t'as testé de rejouer en te disant ah, à l'époque c'était vachement bien. Bah, je te dis, j'ai un peu ça avec League of Legends, mais je sais que le jeu a beaucoup changé, donc Ouais, maintenant mais c'est là très tu ne jouerais compliqué, tu pas. vois. Ouais. Et bah, du coup, non, du coup, j'y rejouerai pas. Et Dofus, c'est un peu pareil, je pense que pareil, ça a beaucoup, beaucoup changé, et que c'est vrai qu'il y avait aussi un petit côté dessin animé pour enfants qui était. Enfin, voilà, qui est assez problématique. En voyant les images là de Dofus Arena, c'est vrai que les graphismes étaient très très. Enfin, comment dire, étaient un peu naïfs, quoi. Et il y avait même une écriture et un humour qui étaient très très orientés adolescents ou préadolescents, tu Ouais. vois. C'était beaucoup de. Enfin. Ouais, c'était pas très mature comme jeu, quoi, on va dire. Et je pense que du coup, en y rejouant, ça me gênerait pas mal. D'accord. Il y a Mehdi qui demande, vous préférez les jeux solo ou les jeux en multi? Tu préfères quoi, toi, Izzy? Je sais vraiment pas, ça dépend vraiment des jeux. Bah, les jeux auxquels on a tous le plus joué, fatalement, c'est des jeux multi, parce qu'il n'y a jamais de fin, donc voilà, t'y rejoues tout le temps. Mais c'est vrai que les bons jeux solo, c'est. Non, mais c'est vrai que les bons jeux solo, c'est vraiment inégalé, quoi, comme en termes de plaisir que tu ressens, de faire les trucs à ton rythme, de découvrir vraiment tout, d'être responsable de tout ce qui se. De tout ce qui se passe dans le monde, enfin, c'est vraiment C'est vrai que un truc chouette. Ouais, les gens on disent pourrait en sauvage, faire ouais. un sondage parce que c'est hyper important, tu vois. Enfin, c'est hyper important. J'aime bien avoir l'avis des gens parce que moi, je suis jeu que multi. Les jeux solo, je me fais chier, je sais pas. Ah Ah, mais ouais, ça. je sais pas. Mais peut-être.
Oui, mais parce que t'as pas joué au bon genre de un genre de jeu solo Ouais, qui te plairait. possiblement. Après, si, il y a certains jeux solo où j'ai bien aimé, genre The Witcher. The Witcher, c'est le jeu solo que j'ai pu jouer, je pense. Et ouais, Ah, ou ok. vraiment avec un vrai truc autre que les Sims ou les petits jeux comme ça. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas. Ouais, je sais pas. Je trouve que Ah ouais. ça. Non, c'est marrant. J'ai pas d'amis pour jouer en multi. Ouais, mais justement, c'est le jeu multi qui te permet de te faire des amis, Archet. Enfin, Archet. Oui. Et puis aussi, t'as pas besoin forcément d'amis pour jouer en multi. Tu vois, Apex, moi j'ai joué plusieurs centaines d'heures juste en solo. Parce que c'est cool aussi. Mais aussi, tu t'ajoutes pas en ami quand on a des bons teammates. Je sais pas s'il m'a accepté celui avec qui on avait joué. Ouais, je sais pas, mais c'est vrai qu'il était bon. Mais quand on avait joué en stream. Ouais. Mais non, non, moi je joue de personne. Non, non, c'est bon. Ah ouais, c'est vrai. Pas de ça. Du coup, ouais, dans le chat, je sais pas trop. Ouais, c'est plus solo, hein, de ce que j'ai vu dans les réponses. Ouais. Bah, parce que Jules veut pas faire de son âge. Donc Bravo bravo Jules, le voilà, sabotage. bravo, on peut pas. Voilà. Je suis sûr qu'il est Ouais, non, mais endormi c'est là en ça, je régie, pense tu vois. qu'il est plus là. Il est plus là, ouais, voilà, là, voilà, Il il est fait plus l'innocent, quoi. Ah, il n'y arrive pas. Ah, là. faut que tu fasses Il n'y un arrive slash pas. pool. Oh. Fais un slash POLL dans le chat. Tu l'as déjà fait, normalement, ça t'ouvre une petite interface. Mais sinon, Paltorn peut le faire, Ouais, pas hein. le temps, ni sait faire, a priori, Il sinon. est dispo. Après, il faut dire que Juge, il s'occupe de toute la régie derrière aussi, hein. Ouais. Oui, bah c'est facile, hein. C'est bon, à ce compte-là. Non, mais ouais, on va laisser Paltorn le Ouais. faire, peut-être. Peut-être un strapole. Paltorn, l'expert en sondage. Ouais, solo ou multi, ouais, c'est ça. Il est parti faire des J'entends Jules parler derrière. photocopies. Il s'énerve. Ah Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il marmonne? Il va tout casser. Ouais, j'ai vu parce que j'ai vu passer la question par rapport à GTA. Et non, je n'ai jamais fait le mode histoire. J'ai très honte de le dire, hein. Mais j'ai jamais fait le mode histoire de GTA. Ah Non, ouais, arrête. Ah, mais Bah, ouais, c'est arrête, j'ai vrai. honte. J'ai très honte. Je T'as n'ai jamais jamais fait le fait le mode solo, histoire de putain. GTA. Non, mais c'est honteux, hein. Non, mais attends, y a pas à avoir honte parce que l'histoire de GTA, c'est pas pour tout Bah le monde, ouais, hein. Moi, mais ça me quand t'es gonfle un une peu. grosse joueuse de 5M, enfin de GTA RP, c'est quand même. Au moins, j'aurais pu connaître l'histoire initiale en faisant le mode histoire, tu vois. Même pas. C'est vrai que dans tes 7000 heures, t'aurais pu te fendre d'une petite cinquantaine Bah pour ouais, faire le non, mais. solo. Il y a un mode histoire, moi, il y en a qui savent. Oui, il y a un mode histoire, ouais. Oh, le sondage, c'est vraiment honteux. Qui a fait ça? Ah, je le vois pas, moi, je les vois pas quand on a un sondage. C'est quoi le sondage? Le sondage, c'est Jules, sait-il faire un sondage? Oui, non, il est pas là. Le pauvre Jules. Je nie toute implication. Oh, il se plaint dans le chat en plus. Non, mais tout va bien, tout va bien. C'est pas Pauvre grave. Jules. Ouais. Non, mais en plus, qui se lève tôt pour faire le travail ingrat de Ouais, c'est régie où on ne vrai. le Il voit se lève de ma pas, faute. c'est. Franchement, moi, je respecte. Comme Et. on a parlé aussi pas mal de RP tout à l'heure, j'ai vu un jeu enfin, qu'on n'a pas parlé. Moi, je considère pas vraiment que c'est du RP, mais je sais qu'il y en a qui y jouent de manière RP. C'est Sea of Thieves. Parce que je sais qu'on l'a fait en stream en Ah plus ouais. à la rédac. Pendant le premier confinement, on en avait fait. Et t'étais avec nous quand on en avait fait, Izzy? Ouais, je vois que ça Non, t'a marqué, hein, je me mais souviens plus. Le seul moment je me souviens, c'est quand on a brûlé le. Quand on a flambé le. oui. Le. Bah, le bateau. Enfin. Oui, moi j'ai pris un tonneau de poudre et j'ai nagé en sous-marin pour aller le mettre dans la cale de l'autre bateau, et vous m'avez tiré dessus au canon et j'ai explosé. Ah oui, t'as des bons souvenirs Quelle aussi, belle ouais. soirée! Ah là là. Ah là. Oui. Mais bah, jeu RP ou pas, je sais pas, c'est pas. De toute façon, c'est pas à nous décider. Si les Oui. gens font du RP dessus, du coup, c'est du RP. Mais je pense un peu comme Arma, c'est un jeu où. Bah, en fait, tu finis par faire ce qu'on appellerait éventuellement du RP pour gagner, quoi. Parce que effectivement, il faut un capitaine, sinon tu peux pas diriger le navire, tu vois. Et il faut quelqu'un dans la vigie qui dit voilà tribord, parce que bah, sinon tu vois pas Ouais. qu'il y a des voilà tribord. Donc voilà, je pense que c'est Ouais, un bah peu comme oui, ça c'est que ce ça qu'il dit, marche. Jet, il dit, si aussi c'est naturellement un peu du RP. C'est vrai. Ouais. Voilà, c'est ça, bah, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Ouais, c'est dommage que Khan il est pas là, parce que Khan, je crois que c'est son jeu où vraiment aussi il doit avoir pas mal d'heures de jeu, je crois. Sur Sea of Thieves. Ah ouais, mais Khan, je crois que c'est une brute sur Sea of Thieves. En plus, maintenant, avec une mise à jour, ils ont rajouté les Ah chats. Et du coup, je crois que Khan, il se tient plus, ouais, tu c'est vois. vrai. Il passe, à mon avis, il passe ses journées sur le jeu à juste caresser son chat comme ça. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas assez de jeux avec des chats, de toute façon. Ça nous manque, les chats. Bah non, il y en a trop peu. Tu sais qu'il y a un compte Twitter qui est assez connu maintenant, qui s'appelle Can You Pet the Dog, je crois, qui répertorie les jeux où on peut caresser les C'est chiens. vrai? Ouais. Et du coup, ils font des petits tweets avec une petite vidéo à l'appui à chaque fois, où on voit, ils disent, dans ce jeu, vous pouvez caresser le chien. Et donc, tu vois, le chien Ah, qui c'est caresse le chien. génial! Ah non, je savais pas, je C'est connaissais très pas du mignon, tout. ouais. Ouais, indispensable. Et il y en a eu d'autres aussi, je crois qu'ils ont fait du coup un autre compte pour les chats, et il me semble aussi qu'il y en avait un avec les trésors derrière des chutes d'eau, ou qui répertorie tous les jeux où tu sais, t'as une chute d'eau et en fait tu peux passer derrière et il y a un coffre. Oh, mais il doit pas y en avoir Ce beaucoup qui est. aussi. Bah, tu serais C'est vrai? surprise! Ah ouais. Bah ouais, malheureusement, il y a un peu un manque d'imagination là-dessus, mais que je déplorais un peu quand je parlais de Assassin's Creed Valhalla, où c'était un peu la même chose. Et voilà, c'est un peu un cliché. Ouais, c'est un cliché à mort, mais c'est un cliché où, du coup, maintenant, si tu mets. C'est un cliché et c'est devenu tellement répandu que si tu fais une chute d'eau dans un jeu et qu'il n'y a rien derrière, et bah le joueur va être déçu. Tu vois? Ouais, Désolé dis pour donc, je sais l'extérieur. pas ce qui se passe. Bah, je dis parce que j'habite à côté d'un hôpital. Ah, ouais, d'accord. Oui, donc tout va bien. Et ouais, donc maintenant c'est devenu un cliché dont les développeurs sont prisonniers, quoi. C'est ça qui est assez pernicieux, quoi. Bah, il faut mettre autre chose que des trésors. Ouais, tu mets des. Non, mais trésors ou Ouais. secrets ou quoi que ce soit, c'est toujours, tu vois. Mais oui, il faut toujours checker les chutes d'eau, hein, dans les jeux, parce qu'il y a toujours des trucs D'accord, derrière. bah écoute, je ne savais pas du tout. Est-ce qu'il y a une chute d'eau dans GTA Online? Ouais. Ah, et t'es Mais jamais je allé crois qu'on peut derrière? pas. Bah, et puis quand tu y vas trop Ah. près, tu te noies. Bah, tu sais, ça te met des dégâts. Donc, Ah du ouais, coup. d'accord. Mais tu peux pas foncer dedans en Ah, je sais pas. En hélico? vrai, j'essaierai. Ma mission du jour. Bah voilà. Je passais. Est-ce que tu connais la carte de GTA Online par cœur? Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est cool. Moi, c'est ce qui me plaisait. Enfin, c'est pas ce qui me plaisait, mais je trouvais ça hyper cool dans Arma 3. Parce qu'Arma 3, la carte fait 250 km². Et tu peux me drop n'importe où dans la Pampa. Donc, c'est sur une île méditerranéenne géante. Et je peux te dire, ah ouais, là, on est à l'est de Kavala. Ou on est à tel endroit, machin. Et ça, c'est hyper chouette. Et je pense que dans GTA Online, du coup, toi, ça doit être Oui, pareil. bon, je me fais moquer là, je vois là, on me traite de menteuse dans le chat. Mais si, je suis désolée, si quand même. Et après, il y a certaines personnes qui, dès qu'ils voient une photo de genre d'un escalier, ils vont dire cet escalier, il est à cet endroit. Je suis pas aussi Ouais. autant comme ça, mais je sais m'orienter dans la map et aller à des endroits et savoir où je suis très facilement. Mais Oui, c'est vrai que toi, tu sais pas où est le parking rouge, apparemment. ouais. Mais non, mais ce qui est assez bluffant, et c'est pour ça un jour je rêve d'aller à Los Angeles, c'est à quel point, a priori, vraiment, quand tu es à Los Angeles, tu te crois dans GTA, quoi. Et ça, je veux le faire un jour dans ma vie, parce que c'est. Mais bon. Oui, c'est vrai que ça rappelle un peu, A priori, malheureusement. c'est vraiment hyper bluffant, hein. Vraiment, hein. Ouais, bah malheureusement, moi quand j'y suis allé pour des voyages de presse, je connaissais pas si bien que ça la map de GTA V, donc j'ai pas pu Ouais. bien comparer, mais. Ouais, il paraît que c'est assez bluffant, ouais, c'est vrai. Surtout le front de mer, je crois, parce que à partir de l'intérieur des terres, c'est vraiment beaucoup plus Oui. romancé, tu vois, Oui, mais le côté ouais inventé. de là où il y a la fête foraine, de la plage, de l'observatoire, de tout ça, ce qui paraît, c'est vraiment mais bon. Ah oui, il y a Denis qui dit, il n'y a pas la villa CPC dans GTA, c'est nul. Oui, bah oui, c'est vrai. C'est que dans les Sims. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, je sais plus qui disait, c'est comme dans DayZ, t'avais joué à DayZ? À quoi? Ah, DZ. DZ. Non.
Parce que là, pareil, en fait, je crois pas qu'il y avait un GPS intégré dans DayZ à l'époque. Et ça a introduit plein de joueurs au concept de, bah en fait, on te lâche Ouais. dans un monde ouvert et on te dit pas où t'es. Et donc, tu dois regarder la carte et te dire, alors attends, je vois une Oh là montagne là, à ça doit l'est, être alors ça doit horrible. être par là. Bah ouais, enfin du coup, moi, Arma, j'ai joué que comme ça aussi pendant plus de 1000 heures. Mais c'est non, moi, je trouve ça assez chouette, en fait. Et t'apprends à te repérer sur une carte aussi, et c'est cool. Et c'est comme ça, c'est pour ça aussi que c'est gratifiant quand tu commences à repérer, à reconnaître les endroits, parce que comme ça tu peux te repérer plus Ouais. vite, et tu t'appropries la Mais carte, tu ce jeu est encore joué. Et enfin, moi je connais dans mon entourage du monde qui joue encore et j'ai été hyper étonnée parce que je trouve, je sais pas, je trouve tellement lent ce jeu. Ah Ah ouais, non, moi je supporte pas non plus ce qu'ils en ont fait ouais, là, il y a c'est. des joueurs de DZ là dans le. DZ c'est de la merde. Ok. Ouais, DayZ, il y a quelqu'un qui dit ma plus grosse déception, c'est de la merde, pas de Ouais, changement c'est depuis des ça, années. c'est qu'on dirait qu'il n'a pas évolué. Mais il y a encore des gens dessus. Ah oui, Papy Poulet, on va sur Trévigal, c'est où? Par là, t'as la plage sur ta gauche ou sur ta droite? Ça, c'était le grand truc. Ça, c'était vraiment très bien. C'était. Ouais, attends, je sais plus ce que c'était exactement, mais genre, il y avait un truc où. Ouais, si tu te tournes dos à la mer, à quel. Est-ce que là, y a une montagne à ta droite ou à ta gauche? Et comme ça, tu savais si t'étais vraiment plus à l'ouest ou à l'est de la carte. Tu te repérais grâce à l'orientation de la plage, c'était vraiment cool. Ah ouais, ça doit être. Ouais, ça rappelle les souvenirs à tout le monde, ouais. Mais ça doit être frustrant de d'être quand même perdre. Enfin. Ouais, ça fait partie du jeu, quoi. Bah Ouais. ouais, ça fait partie du jeu. Bah ça a renforcé complètement l'expérience de, tu vois, de te dire, bah je suis lâché dans un monde, et il faut que je me débrouille. Bah, et justement, la première étape de se débrouiller, c'était savoir où t'étais. Et tu savais que du coup, ça rigolait vraiment pas, quoi. Voilà. À l'ouverture d'un workshop à la communauté de DayZ, ça a quand même donné un second souffle au jeu, ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a Giglix, je suis désolée, je suis obligée de lire ce qu'il a écrit. Il a marqué, je suis tombée sur un stream de GTA RP. J'ai pas compris non plus, j'ai eu l'impression qu'il ne se passait rien. Oh, tu vas te faire Non, mais c'est comme le taper! RP, t'as plein de. Dans n'importe quel RP, t'as des moments où c'est très lent, où il se passe pas trop de choses et tout ça. Et puis, ouais, ça prend du temps, mais t'as des actions des fois qui sont. Bah, puis si c'est du RP et que les gens sont mauvais, bah ça va être chiant, c'est sûr. Ouais, ça c'est. Mais il faut aller sur le serveur de Pauline où les gens sont extrêmement doués et où c'est hilarant en permanence. Ouais, pas tout le temps, mais il y a un peu de tout, ouais, non, c'est. Mais c'est vrai que, bah, je sais, j'évite. Enfin, je l'ai vu tout à l'heure, la question a été posée de savoir sur CPC si on n'avait pas stream du GTA RP. C'est vrai qu'on en parle souvent que moi je le Ouais. fasse, mais il suffit que tu arrives à une soirée où il se passe rien, bah, c'est clair que ton contenu, il va être mince parce que bah, il se passe pas des trucs tout le temps, quoi. Mais c'est le RP, après, c'est. Ou tu peux provoquer des choses, mais après, tu peux tomber dans l'incohérence et. Ouais. Mais peut-être un jour. Et toi, tu fais quoi Alors, c'est dans le très drôle RP? parce que je suis journaliste. Je vais faire un RP de journaliste. Et Waouh! oui. Oh, tu t'inspires C'est de ça, je me suis dit, je nous. suis tellement admirative de mes collègues que du coup, ça me donne trop envie, tu vois. Du coup, je le fais virtuellement. Tu as une certaine Ouais, hack-boost. c'est ça. Non, mais c'est vrai que. Puis, mais c'est. Ouais, c'est. Non, franchement, vive le RP. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que c'est cool. La seule limite, c'est ton Oh oui, c'est imagination. ça. là là. C'est différent entre vivre le RP et le regarder sans doute. Mais tu sais que le soir, le GTA RP est, je crois, dans le top 3 des jeux Twitch regardés, hein. Ouais. Ah Ah non, ouais, mais d'accord. ça a pris des dimensions qui sont énormes, hein, franchement. Ouais, c'est cool. Mais ouais, après, je comprends bien que des gens n'aiment pas, hein. Bah, c'est très particulier, hein, c'est sûr. Mais ce qui m'impressionne toujours, c'est que c'est des jeux qui demandent une implication. Enfin, le RP, c'est un truc qui demande une implication énorme. Et je trouve ça fou que des gens sortent de leur journée de taf, tu vois, et se disent, allez, je vais aller faire ça pour me détendre, alors que ça demande une C'est. concentration, une inventivité, une. Mais Enfin, en tu fait, tu vois, vois. c'est. On en parlait justement, c'est que ça te.
permet de faire des choses que tu vas pas faire au quotidien, en fait. Et tu as le côté où, par exemple, je sais pas, dernièrement, j'ai fait un gros dossier de 10 pages d'écriture sur un truc. Et je me dis, mais au quotidien, jamais j'aurais fait ça. Et en fait, ça te permet de, tu vois, de faire des choses que ouais, tu ferais pas dans la vraie vie. Et non, c'est... Ouais, je pense. Bah c'est ouais, assez non, incroyable, sûr, le RP. Mais je suis contente parce qu'avec toi, on peut en parler. Parce qu'il y en a plein qui comprennent pas un peu le RP, justement. Et c'est un peu des fois. Bah non, mais. C'est frustrant de se dire. Il y en a qui comprennent pas ça, quoi. Mais où ça a la arnaque ? Où ça a bah la non, arnaque ? En général. Tu sais, je me souviendrai toujours d'une conversation qu'on a eue, mais il y avait longtemps, où je t'avais raconté que mes parents comprenaient pas le fait que je passe énormément de temps à jouer, et donc à faire du RP, parce que. Voilà. Et tu m'avais dit, ouais, mais quand tu joues. Tu fais travailler ton imagination, tu fais travailler beaucoup de choses que si tu passes ce temps-là à regarder la télé, par exemple, bah en fait, tu t'abrutis devant la télé. Alors que le jeu, ça te fait vachement... ça te fait travailler sur plein de choses, quoi. Enfin, c'était... Ouais, complètement. Bah ouais, non, je me rappelle bien de cette conversation, c'est marrant. Mais oui, bah parce que ce qui est... Non, mais c'est... là, c'est encore autre chose, c'est qu'est-ce qui est acceptable dans la société. Et dans la société, c'est complètement acceptable de rentrer chez toi... Et de mettre M6 et de regarder ça jusqu'à t'endormir. Et or, c'est beaucoup moins acceptable, c'est plus vu comme étant un peu bizarre, rigolo, pathétique, je sais pas, de rentrer chez toi et de te mettre sur des jeux vidéo ou à faire du RP ou quoi que ce soit jusqu'au soir, quoi. Et l'acceptation de la société là-dessus, elle est hyper bizarre parce qu'effectivement, comme je te disais à l'époque, du coup, quand tu joues à un jeu vidéo, bah c'est pas t'es actif quoi, alors que quand tu regardes la télé, Ouais, bah c'est t'as des gosses ça. quoi. Mais les gens ont du mal à comprendre ça, hein. C'est dingue, hein. Oui, mais c'est vrai qu'il y a les autres, mais tout jeu vidéo, Oui. hein, il y a Bédi qui Non, dit, mais moi je bien sûr. construis une ville quand je rentre du boulot, bah ouais, Bah, c'est ou clair. même, tu vois, moi j'ai mon frère qui joue beaucoup à Civilization. Et je sais que ce jeu-là, enfin, des fois, il m'a montré des tableaux Excel, des machins, des trucs. Je crois que c'était sur Civilization où tu te dis... Ah ouais, enfin tu vois ça, bah ouais, c'est pas devant la télé ou j'en sais rien ou en faisant du shopping ou que tu travailles tout ça quoi. Ouais, non, complètement. Ouais. Et du coup, Après, voilà, ouais. enfin, c'est pas pour dire que le jeu vidéo, ça change le monde et tout ça, mais parce que effectivement, de toute façon, l'excès nuit en tout, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que c'est absurde de se dire que c'est encore de nos jours mal compris, mal accepté, au profit d'autres trucs qui sont objectivement moins intéressants, quoi. Non, c'est ça. Mais quand est-ce que. Je crois que c'est la semaine dernière où je l'ai mis. Je l'ai pinké. Mais il y a eu un article pareil où, je sais plus, il s'est passé un truc tragique. Et c'est marqué. Dans le titre, il y avait marqué joue aux jeux vidéo, tu vois. C'était mis en avant parce que c'était un joueur de jeux vidéo, ça expliquait son truc quoi. Ouais, Nous je sommes vois. incompris, quelle tristesse. Ben On ouais, non, voit le c'est ça. monde. Bah ça va, c'est beaucoup mieux que dans les années, je sais pas, 80 où le jeu vidéo était complètement diabolisé et les gens pensaient que t'allais tuer ton prof de chimie parce que tu Ouais, jouais à c'est des jeux ça, vidéo, c'est quoi. moins pire qu'avant. Est-on obligé de critiquer la télé pour jouer aux jeux vidéo? Pour louer le jeu vidéo. Ah! Non, mais là c'est parce que non, bien sûr que non, mais là c'était parce que voilà, Pauline parlait d'une Oui, expérience ouais, à voilà. elle de ses parents qui ne comprenaient pas très bien pourquoi elle jouait à des jeux vidéo, ce qui est une expérience assez Oui. commune hein, pour les joueurs. Alors qu'effectivement, il y a d'autres loisirs qui sont plus acceptés dans la société, c'est normal. Et ouais, il y a quelqu'un qui te demandait, j'ai plus le pseudo parce que c'était en haut, mais ah si, c'était Rolabin qui disait, est-ce que t'as essayé du coup le jeu de rôle papier à la place du GTA RP? Alors moi non, j'ai jamais essayé. Jamais. T'en fais toi? Ouais. Parce que moi j'en ai fait du jeu de rôle sur table, ouais, après c'est pas mon grand kiff dans la vie, je préfère le jeu de rôle Ouais. en jeu vidéo.
Mais du coup, mais c'est vrai que ça te plairait peut-être, hein, parce que bah voilà, si tu passes tes soirées à roleplay des personnages, etc., le jeu de rôle papier, Ouais. c'est ça Ouais, mais tu vois, il y a le aussi. côté, j'ai essayé du roleplay autre que sur GTA, et quand l'univers il est pas soit mal ancré ou trop fantastique, ça me plaît pas. Tu Ouais, vois? bah ça c'est le gros problème du jeu de rôle papier, je vais encore me faire beaucoup d'amis, mais c'est le jeu de rôle papier est très très axé sur un jeu de rôle en particulier qui est Donjons et Dragons. Et il y a beaucoup d'autres jeux qui sont très bien, très originaux, avec des mécaniques intéressantes, etc. Mais malheureusement pour beaucoup de gens, jeu de rôle papier ça équivaut encore à Donjons et Dragons. Et Donjons et Dragons c'est un univers qui est pas top, qui est pas original en plus, et qui repose quasiment uniquement sur les combats. Ouais. Donc c'est un vrai problème du coup pour plein de gens qui se rendent compte que le roleplay en fait ça peut être complètement autre chose. Il y a beaucoup des joueurs là de jeux de rôle pour de vrai. Sur Ouais. table? C'est pas du tout. Là, il y a UK qui nous demande si on a regardé Highscore sur Netflix. Alors moi, pas du tout. Ouais, non, moi j'ai C'est pas quoi? regardé, non. Mais j'ai cru. Bah, je crois que c'est un docu Je note. qui présente les jeux vidéo de façon sous un jour assez positif. Ce qui est. Enfin, Est-ce pourquoi quoi? pas, ouais. Mais je. Non, J'ai moi pas j'ai pas regardé. regardé. On nous demande un sondage pour. Est-ce qu'il y a des jeux de rôle sur. Des rôlistes papier. Et oui, donc il y a Rolimpin qui dit. Non, mais il y a quand même beaucoup d'autres jeux de rôle très différents qui reposent pas du tout sur les combats. Et je suis entièrement d'accord, c'est ce que j'ai dit, hein. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on voit le plus. Ouais. En fait. Ouais, non, moi je pense que ça me plairait pas parce que t'as pas le côté immersif. Bah, parce que, attends, c'est quoi? C'est. En fait, quand je vois, quand on parle des jeux de rôle comme ça, j'ai l'image de comment elle s'appelle cette série? Mince, des geeks là, avec la blonde là, la voisine là. Attends, quoi? J'ai pas suivi là J'essaie du de coup. t'imaginer comment moi je vois le jeu de plateau. Voilà, Big Bang Theory. Tu sais, ils jouent beaucoup à des jeux de rôle dans Big Bang Theory. Et ben moi je Ouais, vois le truc comme ça peut-être, où faut s'habiller avec une cape, t'as ton jeu sur la table et tu joues un rôle comme ça. Tu vois, moi je ah ouais. m'imagine le truc comme ça Oui. et en m'imaginant comme ça, je pense que ça me plairait pas trop. Mais je sais pas si vraiment c'est réaliste du truc quoi. Alors non, évidemment les costumes c'est Oui. assez rare, Non hein, mais. mais t'as raison. Et pourquoi t'as cette image-là? Mais parce que justement, pour plein de gens, le jeu de rôle c'est Ouais. ça. Alors c'est un poil caricatural, mais effectivement, il y a aussi beaucoup de joueurs de Donjons et Dragons pour qui, bah oui, le jeu de rôle c'est tu balances une boule de feu sur le méchant squelette en étant habillé. Ouais, voilà, je sais pas, ouais, je m'imagine, je sais pas. C'est un peu con, hein, mais ouais, je vois le truc comme ça, et du coup, ouais, ça me. Je sais pas. Ah, ouais, et puis c'est ça, et Razer, il dit, il faut un bon maître du jeu aussi, ouais. Ah, il y a un Ah. sondage, je sais pas si c'est Jules qui a réussi, Il vient de toi, Jules? Ah non, il peut pas. Il veut que ça vienne d'un modo. bien merci Ouais, les modos. merci. Merci, Jules, quand même. Et il y a quand même beaucoup de gens, hein, tu vois, parce que c'est quand même un loisir vraiment de niche, hein, le jeu de rôle papier, et là on est à quasiment 50% de oui, ce qui est beaucoup. Mais bon, ça c'est. Enfin, il y a une porosité quand même assez certaine entre les communautés jeux Ouais. vidéo et jeux de rôle, quoi. C'est fait ça, C'est j'en pas ai. très surprenant. Mais par contre, toi, t'es pas mal joueur plateau, non? Jeu plateau aussi. Pas mal. Un peu? Bah. Alors. Ouais, après, je suis pas un grand joueur comme Can Ouais. qui connaît, tu vois, toutes les nouveautés, tous les grands jeux un peu de niche, etc. Enfin, les petits jeux, etc. Moi, je joue pas mal aux jeux de plateau, mais c'est plus, je joue plus à des classiques, quoi. Enfin, pas les classiques dans le genre les petits chevaux et le Monopoly, hein. Mais oui, c'est vrai qu'il y a Oui, hors-série, parce que. j'allais en venir que t'as testé des jeux de plateau dans le hors-série là qui vient de sortir, qui est disponible sur notre Ouais. boutique en ligne et dans les kiosques.
Ouais, j'en ai testé un d'ailleurs. Voilà. Tiens, mais attends, je vais le chercher, je vais vous Ah montrer. oui, montre-nous. Voilà. Actuellement en kiosque, n'hésitez pas, vous pouvez le commander en ligne si vous êtes confiné. Voilà. Sur notre petite boutique. Mais ouais, du coup, je sais que tu en as testé, c'est pour ça que j'en viens. Il y a beaucoup de joueurs plateau, du coup. En plus des joueurs de rôle. Il y en a un que j'ai testé qui est très cool, qui s'appelle Cartographers. Et voilà. Et où en fait tu dois dessiner des trucs, tu vas dessiner une carte en fait. Mais tu fais toi-même? Ouais, tu vois, tu fais des trucs comme ça. Je sais pas si on voit Si, si, on voit bien, on voit bien. l'éclairage. Mais tu remplis une grille avec des cartes comme ça. En fait, tu pioches des cartes qui ont un peu la forme de pièces de Tetris. Et tu dois essayer de les caser sur ta grille comme D'accord. ça. Et en même temps, tous les autres joueurs font de même avec la même forme. Et au final, après, tu comptes les points. Je vais pas expliquer toutes les règles, mais c'est assez cool. Et du coup, le concept de faire du Tetris avec une carte, et en faisant en sorte que tous les joueurs jouent avec les mêmes données, tu vois, c'est assez chouette. Et tu Voilà. l'as... Ça s'appelle Celui-ci, Cartographers. tu l'as testé dans le hors-série? Et il est. Ouais, il est dans le HS, D'accord. absolument. Ouais. Voilà. Ben voilà, vous pouvez retrouver les tests. Mais sinon, oui, vous pouvez retrouver ça dans le HS. Mais non, non, sinon, moi je joue plus à des trucs très connus de joueurs de jeux de plateau comme Antique, Mysterium, Citadel, bon là, qui est encore plus connu. Et Voilà. voilà, mais j'ai pas une connaissance encyclopédique comme Cannes. Pas du tout. D'accord. Carcassonne, ouais, c'est cool aussi. Et toi, tu joues pas du tout à des jeux de plateau, du coup? Sauf dans Non. GTA Online. Ça arrive que j'y ai joué. Ça arrive. Ça arrive quand je suis avec des amis, mais c'est très. C'est de temps en temps et c'est des jeux plateau. C'est des petits jeux, quoi. Ouais. Il y a Lenny qui dit Cannes défonce la porte de la rédaction dans 5 minutes. Mais tellement. Tellement. J'ai super peur maintenant. Et du coup, dans le chat, il y en a beaucoup. J'ai même pas vu, je sais plus si on a posé la question, mais j'ai même pas vu s'il y en a beaucoup qui jouent ou pas. Mais si, c'est sympa quand tu prends un apéro, t'es avec tes potes, tu joues à ça, c'est vraiment cool, quoi. Ouais. Oui, bah on va demander à Jules de faire un sondage. pauvre Jules. Small World, ouais, qui est hyper bien aussi, Jim, je suis d'accord. Sondage, sondage, sondage. Je fais souvent des barres à jeux de société, Bisquiz, bah pas en ce moment, je pense, malheureusement. De quoi? Ah. Il y a quelqu'un qui dit qu'il va souvent dans des Ah bars à jeux oui. de société. Mais d'ailleurs, on en a un pas loin de la rédac qui a ouvert, je crois. Ah non, ou c'est un escape game? Non, c'est un truc de jeu. Je sais plus. Ah Ouais. Il est pas loin de la rédac qui a pas ouvert bon moment, mais pour eux, Un. malheureusement. Non, c'est Mais clair. Un je bar à crois que c'est jeux un ou bar un à jeu. escape game? Je crois, hein. Je Ah, c'est crois. cool ça. Oh, Can, il va tellement Ouais. y aller y dépenser la moitié de son salaire. Oh là là. C'est mal de faire un truc comme ça. Hein. Ouvrir un bar à jeux à côté du lieu de travail de Cannes, il y a des gens, ils hésitent pas à exploiter la faiblesse des autres, quoi. Et oui, Pascal Brutal, j'ai parlé effectivement. On a parlé de IO Interactive qui a fait un jeu de James Bond. C'était au début de C'est l'émission. ça. Tu pourras regarder le Replay. replay. Il y a Reply. Jalonimo qui dit une idée de jeu de plateau pour deux joueurs. Je sais pas si toi t'en as des idées. Ouais. Enfin, vite fait. Moi, j'avais joué à Dual Powers, qui est un jeu aussi pour deux joueurs qui se passe pendant la révolution d'octobre en URSS. C'était très cool. Et donc ça, je le conseille. Mais j'en avais parlé, mais je sais plus si dans Canard PC normal ou dans. Non, je crois que c'est dans Canard PC normal. Dans un des derniers numéros, donc tu pourras aller regarder. Ça s'appelle donc Dual Powers, ça se joue à deux. Et sinon, il y a Antique, donc qui est une sorte de jeu de stratégie un peu à la Small World, mais en plus. Un peu le grade d'au-dessus en termes de complexité, qui est hyper bien. Et ça existe en version deux joueurs, ça s'appelle Antique Duellum, du coup. C'est un autre jeu qui est pensé spécialement pour deux. Et ça, c'est un jeu de stratégie vraiment cool.
Oui, il y a aussi le Seven Wonders Duel Oui, tout le classique, monde. mais pas trouvé mieux encore. Alors moi j'ai un problème avec Seven Wonders, je sais que c'est le jeu de plateau que tout le monde adore, mais j'y ai pas joué beaucoup dans ma vie, mais à chaque fois que j'y ai joué, j'ai trouvé que ça manquait vraiment d'interaction, tu vois. C'est ça le problème avec certains jeux de plateau, c'est que t'es dans ton couloir, tu vois, et tu fais tes trucs, tu vois, chacun son tour, et après bah, la partie est finie parce que bah, en fait machin il a fait son truc plus rapidement que toi. Ou toi tu l'as fait plus rapidement, mais bref, tu vois, ça manque d'interaction et ça c'est vraiment dommage. Donc dans Seven Wonders, c'est ça qui me bloque un peu. D'accord. Il y a Dumb, pardon, qui dit aussi qu'il y a les échecs. Absolument, Et oui. du coup, ça me fait penser à la série là sur Netflix de Le jeu de la dame en titre. Ah oui, The Queen's Ouais. Gambit. Ouais, bah ouais, moi je l'ai regardé la série la semaine dernière. T'en as pensé quoi? Alors j'en ai pensé. Attends, il y a Jules qui dit qu'il joue à Colt Express, mais Colt Express, j'adore Jules, c'est trop bien. Il faut qu'on en parle un jour. Et des gens qui disent aussi que ce que je reprochais à Seven Wonders dans le Duel Room, donc il y a beaucoup plus d'interactions, donc ça change vraiment. Bah ça c'est cool. Et donc ouais, pour revenir sur Queen's Gambit, bah c'était vraiment bien. Ouais, je l'ai Tu l'as regardé regardé toi? aussi, ouais. J'ai regardé en 3 jours, je crois. Ok. Vraiment, Ah ouais. ouais, d'accord. Ouais, t'as dévoré. Enfin, il y a que 7 épisodes, je crois, Ouais, mais... mais j'ai vraiment adoré. Et puis j'aime trop bah, les choses comme ça qui montrent la réussite de la carrière, la réussite de certaines personnes. Et là, vraiment, hyper chouette, quoi. Je sais pas si dans le chat, vous l'avez regardé, cette Ouais. série? Bah apparemment les gens l'ont regardé parce qu'ils étaient tout le monde disait le nom de la série. Et ouais, mais je trouve qu'il y a un problème dans cette série, c'est qu'il gagne du temps souvent, tu vois. Il y a Jules qui dit je viens de finir hier. Je trouve que c'est une série où tu sens que parfois ils sont là genre allez il faut tenir 1 heure, on va faire des scènes, tu vois, qui servent pas à grand chose ou qui sont un peu lentes, mais alors moi ça me dérange pas le rythme lent, hein, mais tu vois vraiment que Ah ouais, parfois t'as trouvé ils ont pas eu ça. d'idée de quoi faire. Non, j'ai pas trouvé ça lent, Ouais, je trouvais mais vraiment que des fois ils gagnaient du temps, d'accord. quoi. Et sinon, ouais, c'était vraiment cool, mais je trouve que les échecs, il y a un truc vraiment, vraiment... Un propos vraiment intéressant à développer dessus. Et d'ailleurs, bah malheureusement, ils en parlent pas forcément beaucoup dans la série, mais quand tu regardes des articles sur des gros tournois d'échecs ou des joueurs pros, etc., c'est hyper bien, c'est hyper agréable en fait, parce que c'est pas du tout aride, tu vois, ou abstrait comme tu peux t'y attendre. C'est genre un des plus gros joueurs d'échecs dans le monde, tu vois, on le surnomme le boa constricteur, tu vois, parce que bah en fait il passe sa partie à t'en serrer de plus en plus jusqu'à t'étouffer, tu vois, donc c'est pas du tout et c'est souvent raconté comme ça et c'est pas du tout aride, quoi. Tu C'est sais assez jouer aux chouette. échecs? Ouais, je sais jouer, mais j'ai pas joué depuis très longtemps. Puis en vrai, je pense que la série, je pense que c'est plus intéressant de qu'on te Oui. raconte des parties justement en te disant ce genre de truc que toi-même jouer, quoi. Oui, du coup, là, il y a pas mal de personnes qui réagissent sur le fait de la réussite, là. Et du coup, vous parlez de quoi? On aurait pu faire la même série avec le pro gaming ou le sport de haut niveau, c'est plus l'histoire d'un prodige et sa lutte avec ses démons, nous dit Ciaralana. Ouais, c'est Oui, vrai. complètement, ouais, c'est vrai que finalement les échecs. Mais après, enfin, les échecs, ça reste pas du tout anecdotique dans cette série parce que c'est assez original, c'est pas un truc dont on parle Oui. souvent et pour le coup, ils sont très bien filmés, je trouve. Alors que, tu sais, ça aurait pu être horrible, quoi, une série où on voit des parties d'échecs, mais au Ouais. secours, tu vois. Et non, au contraire, là, Bah c'est oui, hyper non, bien fait, je franchement, trouve. c'est vraiment hyper C'est très chouette. agréable. Donc, ouais. Je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Ouais, et il montre pas beaucoup, par contre, le sexisme qu'il peut y avoir dans le milieu des Le jeux quoi? d'échecs. Où je crois que Ah, le le sexisme. sexisme, ouais. Ce qui est dommage, parce que je crois que encore aujourd'hui, bon, je suis pas sûr, mais en tout cas. Au moins pendant une grande partie du XXe siècle, c'était le cas. Les tournois d'échecs étaient non mixtes. Ouais, mais là, justement, je trouve Tu vois? qu'ils le mettent plutôt bien en avant parce que justement, il y a une scène où elle s'efforce de vouloir participer contre les hommes où normalement elle pouvait pas. Il y a l'autre scène où elle se fait aussi rabaisser parce que justement c'est une femme.
Ouais, toi, tu trouves que c'est pas... Oui. Bah, j'ai l'impression que c'est montré plutôt comme un truc individuel, tu vois, plutôt que Ah, systémique, oui. etc. Oui, effectivement, comme il y a très peu de, comme il y a très peu de femmes, bah oui, les gens se disent, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait là? Ok. Enfin, ça, on le voit. Mais effectivement, comme dit Frati, je pense, je trouve que ça reste un peu superficiel. Parce que, bah, dans la réalité, justement, c'est pas individuel où les gens sont là, oh là là, elle, c'est une femme, machin. C'est vraiment hein, le système des échecs qui est, où tout est fait pour exclure les femmes ou alors faire en sorte qu'elles se retrouvent Ouais. entre elles, tu vois. Attends, qui disait? Je voulais rebondir sur un truc. Ouais, j'ai lu un article justement sur une championne d'échecs qui parle de la série et qui dit mais ils ont été soft parce que moi j'ai déjà eu des joueurs où quand je gagnais ils se frappaient le front contre l'échiquier, ils se levaient, ils se barraient sans rien dire, enfin Ah. truc vraiment de ouf quoi. Ouais, bon, en tous les cas, à conseiller cette série, hein, elle est vraiment, vraiment très chouette. Ouais, Elle est très vraiment très cool. chouette. Et en plus, ouais, je vois que tout le monde parle de l'actrice. C'est vrai que l'actrice, je sais pas du tout qui c'est, à vrai dire. Mais c'est vrai qu'elle est hyper forte. Enfin, elle est vraiment hyper talentueuse. Ouais, Ouais. elle joue très bien, ouais, ça c'est cool. Ouais, non, un vrai plaisir. Mais moi, Mais je suis pas du tout physionomiste, moi j'ai vraiment un problème avec le physique des gens, et du coup, moi j'avais pas compris que c'était la même actrice quand elle est censée avoir genre 13 ans. Et quand elle a, bah, à la fin de la série, tu vois, genre 25. Moi, je croyais qu'ils avaient changé d'actrice entre-temps, tu vois. Mais non, ils avaient juste changé la coupe de cheveux et les Ah, vêtements elle a pour joué la son vieillir. rôle à n'importe... Non. À n'importe quel âge? Non, mais tu Oui. sais, dans la série, il y a une... D'abord, Oui. elle est toute petite, donc c'est une actrice Oui. différente. Et après, elle est plus grande, donc c'est encore une Ouais. autre actrice. Mais moi, je croyais qu'ils avaient changé encore Ah. entre voilà, quand elle est Ah pré-ado et oui, quand elle est d'accord. Ah adulte. ouais? Mais non, non, Ouais. c'est la même en fait. Mais c'est moi qui suis pas très Ah, elle joue physionomiste. dans Split aussi. Ah, d'accord. Non, Split, moi non je plus, je connais connais pas. Ah, elle pas. joue dans Peaky Blinders, ah ouais. Ok, et ben voilà. Mais je vois pas qui c'est dans Peaky Blinders, mais en même temps je suis pas à jour, je crois qu'il me manque une saison. À partir de la saison 2. Saison 5. Saison Saison 5 ou saison 5. 2? On a des informations contradictoires. Ah, saison 5 de Peaky Blinders, moi je suis Oh pas à là là, faut jour. que je regarde cette série, hein. Jamais regardé. Bah, les trois premières saisons sont assez cool. Et tu t'es arrêté à laquelle, à la troisième? Je sais plus si c'est la troisième ou la quatrième que j'ai regardé en dernier, mais en gros, tu sais, ça raconte. Bah, les combines et l'ascension d'une famille de malfrats en Angleterre, donc ça c'est assez cool. Mais le truc c'est qu'à un moment, justement, il y a tellement d'ascension qu'à un moment ils deviennent très 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 puissants, ils font même limite partie, tu vois, de la haute société. Et je trouve qu'à ce moment-là, ça perd vraiment je sais pas, en charme ou en intérêt par rapport à quand ils sont juste, tu vois, dans leur maison toute pourrave à faire des combines. Le crime organisé de très bas niveau de leur ville, tu vois. D'accord. Malfrat, le mot est dur. Si je me souviens bien, pas tellement. Mais ouais, par contre, il y a un casting de fou dans cette série. Il y a Tom Hardy, c'est vrai, dans les saisons suivantes, et surtout. Merde, en plus, super, j'ai un trou de mémoire. Mais l'acteur principal là est vraiment cool. Putain, comment il s'appelle? Plus j'en parle tout le temps de cet acteur, tu sais. Mais Alors là je me là, souviens plus. Ah bah, ça va ouais. m'en revenir. On va nous le Oui, il dire y a dans le quelqu'un. chat parce qu'il Tu est vas très bien connu. trouver. Voilà, Ouais. Cillian Murphy, merci. Et Cillian Murphy qui a joué aussi dans un de mes films préférés qui s'appelle. Donc qui est très très bien hein, dans Peaky Blinders. Et qui joue dans Le vent se lève. Donc qui est pas le Miyazaki, mais qui est le titre français d'un film de Ken Loach sur la résistance pendant la guerre d'Irlande, la guerre d'indépendance de l'Irlande, au début du D'accord. 20e siècle. Et donc Cillian Murphy qui joue dans Peaky Blinders et le chef, un des chefs de la résistance, un des chefs des Irlandais. Et c'est un film hyper cool que je conseille vraiment à tout le monde. Et voilà. Et en plus, du coup, on a du rab de Cillian Murphy, donc c'est.
C'est toujours bon à prendre. D'accord, je connais pas du tout. C'est passé il y a quelques... Oh. Ah bon, c'est vrai? Ok. Les deux, le vent se lève, sont aussi joyeux l'un que l'autre. Bah, j'ai jamais vu le Miyazaki, mais... je savais pas que le Miyazaki était triste. Mais oui, du coup, bah, c'est un film sur la résistance. Hein, donc, à un moment, quelqu'un se fait arracher. Ah, c'est voilà. Horrible. C'est... Bah oui, mais bon. Ouais. Voilà. T'es pas trop, toi, film d'horreur? Non, 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 non. D'ailleurs, j'ai écouté, du coup, la matinale que t'as faite avec Hélène, qui était très bien, mais du coup, moi, j'étais un peu... Ouais, bah oui. Je me sentais un peu étranger, tu vois, parce que non, moi, en fait, ça me fait trop peur, donc je peux pas, quoi. Mais c'est marrant parce que j'en ai vu quand même, je vois genre un film d'horreur tous les deux ans, tu vois, et vous avez parlé d'un que j'ai vu, qui était le dernier film d'horreur que j'ai vu, et après, je me suis dit, bon, bah, même un tous les deux ans, c'est trop, tu vois, maintenant, c'est plus jamais, et c'était It Follows. Ah oui, ouais, mais ce film-là aussi, il est tellement, il est exceptionnel. C'est hyper bien, je regrette pas de l'avoir vu, c'était un film génial, mais qu'est-ce que ça fait peur, putain! Ah non, mais moi, j'en ai pas dormi après. Encore maintenant, ça me hante, tu vois, enfin, il y a des scènes... je sais pas, je crois que j'ai une mémoire très visuelle, donc je me souviens bien de à quoi ressemblaient toutes choses, donc les scènes, je m'en rappelle encore très bien, tu vois. Et on peut pas vraiment dire que c'est un film d'horreur, It Follows, bah... Ah, c'est bien angoissant quand même. Mais du coup, voilà, c'est un film d'angoisse. Bah, moi, les films d'angoisse, plus jamais. Ouais. Non, je parlais de ça parce que j'ai vu, alors j'ai plus le message, hein, il est passé depuis, mais que justement, il y a quelqu'un qui a dit, comme on parle souvent des films d'horreur dans la Mardinale, qui disait avoir regardé le film The Canal sur le Prime, que je connais pas du tout, mais qui est un film d'horreur et qui a priori était pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que je pose la question, comme on parlait des films. Comment ça s'appelle le film? De quoi? Comment The Canal, le film? J'ai bien noté. The Canal, ouais. Ok. The Canal. Très bien. Je sais pas, je sais plus. Ah, c'est Pascal qui disait ça, The Canal. Voilà. Il disait que c'était pas mal. Non, moi, j'ai une longue histoire d'être traumatisé par les films d'horreur. J'avais vu, mais enfin, même les films d'horreur tout bidon. Hein. Par exemple, je crois que ça s'appelle Le Village des Damnés. Qui est un vieux film en noir et blanc. Tu sais, c'est sur... Il y a un village et il y a un jour, il y a un... Plus personne peut y rentrer, il est coupé du monde pendant 24 heures. Si tu essaies de t'en approcher, tu tombes... tu vois, tu t'évanouis. Et voilà. Et après, le lendemain, bah, tout est normal, tout se passe bien, tu vois. Et en fait, 9 mois plus tard, il y a plein de femmes dans le village qui accouchent d'enfants. Et ces enfants-là, en fait, sont hyper creepy et je sais même plus ce qui se passe, mais bon, je crois qu'ils peuvent faire exploser les gens. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ça fait hyper peur. Et les enfants font hyper peur, quoi. Et voilà. Donc très très bon film, mais pareil, moi qui m'a traumatisé de fou, alors que c'est un vieux film, tu vois, c'est en noir. Mais c'est toujours assez traumatisant de toute façon les films d'horreur avec les enfants. Hein. Ouais, c'est vrai que les enfants, ça fait peur. Bah, Shining aussi, tu vois, que j'ai vu lui aussi. Pareil, je pense qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas un film d'horreur, c'est bidon, tu vois. Mais moi, laisse tomber, je peux pas le regarder. Là, rien que la musique, tu vois, j'endors pas la nuit. Ouais, bon, faut pas. Mais toi, ça te... Non, ça te fait... Non, il y en a aussi, enfin... Mais j'aime bien. C'est un peu bizarre. Ouais. Bah c'est ça, le truc c'est que... Mais moi j'ai jamais compris, tu vois, non, moi j'aime pas avoir peur. Ouais, en fait, je sais pas, désolé. Moi j'aime bien, je sais pas pourquoi. Tu sais, je me sens vraiment comme si les gens disaient, mais à quoi, mais t'aimes pas vomir, mais attends, c'est génial. Mais oui, bien sûr qu'il me fait vomir ce film, mais j'adore, moi je suis alors... Ouais. Non, en fait, désolé. Mais c'est souvent où je me demande si on a, tu vois, c'est pas un petit peu, un petit souci de se dire que t'aimes bien avoir peur, t'aimes bien voir des trucs genre ultra gore ou... C'est un souci, non, je pense. Bah non, je pense pas, parce qu'en plus c'est hyper répandu, tu vois, ça marche de ouf bah les oui, films ouais. d'horreur, donc c'est qu'il y a bien quelque chose, tu vois, qui parle quand même à tout le monde, ou presque. Donc non, je pense pas que ça soit un souci. Du coup, pas de jeux d'horreur pour Isole, bah non, les jeux c'est encore pire, parce qu'en plus comme t'es acteur du truc... Ouais, j'avoue, les jeux d'horreur c'est vraiment flippant. Non, j'avoue, je... Bon.
Moi, ma limite pour les jeux d'horreur, c'est quand t'es dans Subnautica et que t'es dans les abysses et que tu dois. T'es dans l'eau et tu vois rien autour de toi et tu te dis, si ça se trouve, là, il y a un énorme monstre va essayer de me bouffer les jambes. Ouais. Bon, c'est ça déjà, tu vois, Ouais, c'est angoissant. c'est le plus que je supporte. Et c'est déjà énorme, je trouve. Ça, c'est sûr. Ah voilà, il y a Anne qui dit les films d'horreur, je peux pas non plus sous peine de plus pouvoir dormir pendant plusieurs semaines. Toi, ça t'affecte pas ton sommeil, Coco? Non, ça affecte peut-être un peu ma paranoïa, certains films, Ouais. mais pas de là à... Comme par exemple, c'est quand c'est ce week-end, Ouais. ça a sonné chez moi et je suis allée ouvrir et il n'y avait personne. Ouais. Tu vois, et je me suis Ah pas dit non, faut pas me de quoi? raconter. Faut pas me Non, raconter mais ça. juste, je me suis pas. Bah, tout de suite, je me suis imaginé plein de trucs, tu vois. Ah bah oui, non, Ouais, je donc te. voilà, c'est plus ce côté un peu paranoïa, tu vois. Plus tu regardes des trucs, plus tu vas être parano Ouais. sur plein de trucs. Mais. Il y a Foxen qui dit, du coup, tu peux pas regarder les infos. Ouais, c'est ça. Mais t'as joué à Alien Isolation ou pas? Non, j'ai jamais fait. Parce que ça, pour le coup, à mon avis, ça, c'est vraiment un jeu qui permet de bien comprendre la limite entre l'angoisse et la peur. Parce que Alien Isolation, bon, tu sais, c'est. Oui. Voilà, t'es dans un grand vaisseau spatial, tu dois te balader, il y a l'alien des films Alien qui te traque, bon, ok. Et ça fait pas peur, enfin, tu vois, je suis pas la nuit en train de me dire, oh, si ça se trouve, l'alien est sous mon lit, enfin, non, pas du tout. Par contre, c'est un jeu qui fait hyper angoissé, hyper stressé, parce que tu sais que t'es chassé par un alien qui est pas scripté, hein, c'est une IA qui décide de où te chercher, etc. Tu peux pas sauvegarder quand tu veux en plus, tu vois. Donc, à chaque fois, tu te dis, putain, j'ai pas sauvegardé, je suis à 10 minutes du checkpoint, là, il faut pas du tout que je me fasse tuer. Tu sais pas où est l'alien, et donc tu te planques dans des casiers ou sous des meubles tu vois, en priant pour qu'il te trouve pas, et ou qu'il soit pas juste derrière toi, etc. Et ça fait angoisser de fou, ouais. Ouais. Mais ça te Bah, plaît, du coup? faut que je fasse, ouais. Je le ferai. Bah, tu sais, il est en promo sur Steam régulièrement, Mais un je genre de l'ai, je jeu, crois, hein, en plus. donc Hein. ça vaut le coup. Ouais. Ah bah voilà. Bah voilà un jeu solo Ouais, qui bah te voilà. ferait. Bon, bah, j'essaierai. On a trouvé un. Et il faut que tu le fasses En stream, en ouais. stream, hein, Ok. par contre. Ok, Bah bon. ouais. On fera ça. On fera ça, on fera ça. Mais c'est vrai que par contre. Non, mais les gens ont raison, il y a des jeux par contre d'horreur. Hein, ça, c'est vrai qu'ils font très peur. Les Layers of Fear, les Amnesia, Soma, etc. Ouais, Ça, c'est. y a le dernier Amnésia qui a l'air pas mal hein, aussi. Hein. Alors, Ouais, bah du coup, moi je. Ouais, ça Non, se ressent, toi. Ouais. pas pour moi, merci, mais. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, bah, on va bientôt arriver à la fin de cette émission, juste avant qu'on termine. Parce que je l'ai vu, hein, je l'ai vu passer dans le chat, mais j'ai fait semblant de pas le lire. Mais je l'ai vu, c'est qu'on a reçu les nouvelles tasses à la rédac, qu'il faut que j'ouvre d'ailleurs. Oui, Mais on va faire un oui! Oh unboxing! là là! L'unboxing des tasses! Ah, mais vous allez voir en plus, elles sont Ouais, incroyables. franchement, elles sont trop cool. Donc, elles Comme vont être du jeu. dispo aujourd'hui dans la boutique. Attendez, faut que je zoome. Donc, voilà. Mais c'est trop bien cette petite caméra de côté là, je De l'avais quoi? même pas vue. Elle est trop bien cette petite T'as caméra vu? sur le côté là. Alors, la première, waouh! C'est vrai qu'elle est cool, hein. Regardez-moi ça. Avec le fond rose. Non, Mais franchement, elle oui. est trop belle. Mais oui, elle est trop bien. Mais moi j'adore cet emoji. Montre l'emoji. Moi j'adore l'emoji C'est la Miu? 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 Mellow sur Ouais, non, le. franchement. Ouais. En fait, c'est. Pour la petite histoire, bah voilà, il est dans le stream, dans le chat, tout le monde le fait. C'est un emoji à la base du forum Canard PC qui a été redessiné par Monsieur Chat pour l'adapter aux résolutions Ouais. modernes et le lisser. Et c'est hyper cool. Et donc on a la Ouais, c'est un de mes préférés. Ouais. deuxième. Oh la vache. Oh. Le côté rouge, c'est le logo Canard PC. Ouais, et après, ouais, c'est le logo. C'est vrai que je pourrais faire plus zoomé hein, Le quand Tas même. Kawaii PC, Mais. ouais. Non, Non, elle est franchement, elle est vraiment trop classe cool. cette tasse. Hop là. Écoute, Pauline, j'en prendrai 10. Voilà, merci. Donc ça, c'est la première, et on a la deuxième. Qui est celle-ci? Oh, elle est trop cool, elle aussi. Oh, je l'ai montré du mauvais côté. T'en arrives pas à lire. Hop là. Ouais, non, franchement, elles sont trop mignonnes. Et celle-ci, elle a un intérieur blanc. C'est marqué quoi du coup? Parce que. De J'arrive pas à quoi? lire.
C'est marqué quoi du coup parce qu'on n'arrive Il y a pas à lire. marqué ce canard est un scandale. Après, il y a écrit Wa bon, rien dans ton cul, 15 ans et toutes ses dents. Voilà. Ok. Alors oui, les gens se disent qu'ils sont déjà sur la Ah! boutique en train de les regarder, mais qu'ils les trouvent pas. Et qui quoi? Hein. Et qu'ils trouvent pas Ouais, les non, mugs ça sur va la être boutique. au courant de la journée. Ça va être mis. Voilà. Ok. Et alors, il faut que les gens se bousculent parce que Ouais, en 5 minutes, il c'est n'y aura des plus de exemplaires stock. en édition limitée. Et voilà, il y en a une centaine de dispo par chaque exemplaire. Et on va Voilà. avoir normalement aussi d'autres objets dans la semaine prochaine aussi. D'autres choses. Voilà. Je vous montrerai au 3C quand Trop on les bien. aura. Mais oui, mais c'est très bien de faire des Ouais, petites franchement, boutiques comme j'aime trop ça. moi Et une boutique. en plus, elles sont tellement Ouais. belles, donc c'est normal de les montrer. C'est ça. Oui, et les promos stream du jour, mais oui. Oui. Mais Popo, qui va Alors, streamer du coup, aujourd'hui? aujourd'hui, nous avons à l'affiche, dès midi, on a Sebum qui streamera du Super Liminal. Voilà, de midi à 14h. Après, à 14h, on a Denis qui continue sur BioShock. Et à 21h, on aura Agbu sur Per Aspera. Ah, c'est chargé comme Ouais, programme aujourd'hui, c'est bien. c'est ça. Après, au courant de la semaine, jeudi soir, il y a l'émission, voilà. Où tu y seras d'ailleurs. Voilà. Mais oui, absolument, Jeudi jeudi soir à soir. 21h. Et nous, on se retrouve tous les deux, du coup, vendredi soir à 20h pour du Apex. Du Apex avec Jules. Avec Jules. Et bah oui, avec Jules. Et demain midi, moi je fais un Ah oui, stream tu fais aussi. quoi? Je vois que tu le passes sous silence, mais je ne me laisserai pas censurer comme ça, aussi facilement. Je stream du. À midi, je stream Phantom Brigade demain, qui est un genre de XCOM avec des mechas, un peu comme. Comment ça s'appelait le jeu avec des Battletech. Un peu en Battletech, mais en mieux, je pense. Donc voilà, on verra ça demain. Midi. D'accord, bah écoute, en tous les cas, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cette émission, d'avoir participé aux 3C, de t'être levé pour les 3C. Merci à Jules aussi d'avoir été là à la prod. Merci pour tes sondages, Jules. Et du coup, nous. Ça m'embête. Et du coup, nous, on se retrouve mardi prochain pour les 3C et vendredi soir pour Apex et pour tous les autres streams du coup que vous pouvez retrouver en dessous. Bon mardi à tous, bonne journée, bonne semaine. Merci Zuzu encore et puis à bientôt, à très vite. Ben merci à toi, merci à Jules et salut les Salut, gens. gros cœur, merci pour tous les subs et pour votre présence. À